Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live sur cette chouette musique un petit peu horrifique, tu vois. Aujourd'hui, nous allons jouer à un petit jeu d'horreur, horreur et des grands guillemets. Hein. Je crois que tu devrais pas avoir trop peur non plus. Hein. C'est un jeu en pixel art, en RPG Maker vu du dessus, en 2D, donc ça va, on fait pire en termes de jeu d'horreur. Un jeu d'énigmes, d'accord, hein, qui m'a été recommandé par Maryse, mais avant ça aussi par Morgane, du coup. Un jeu qui devrait nous prendre entre 4 et 1000 heures, du coup. Entre 4 et 6 heures, 4 et 5, je sais pas, on verra bien. YouTube, je te souhaite une très très bonne rediffusion. J'espère que ça te plaira. Voilà, c'est un nouveau type de jeu qu'on fait. Hein. On sort un petit peu de tous les let's play qu'on fait en ce moment avec Pokémon, avec Life is Strange, avec Miitopia et avec plein d'autres trucs qui traînent par-ci par-là. D'ailleurs, le planning de la semaine, de cette semaine, du coup, ce soir, c'est Viviette. Mardi, nous jouons et nous terminons, hein, attention, hein, Life is Strange, les True Color. Mercredi soir, je ne streamerai pas. Jeudi, je continuerai Pokémon Earthgold en espérant, punaise, de réussir à battre la Ligue Pokémon. Hein, le dernier live, on n'a pas fait grand-chose au final. Vendredi, on va faire du ROM hack de Mario 64 parce que ça fait longtemps et que j'en ai vachement envie. Samedi, je ne streamerai pas. Et dimanche, on reprend là où on s'est arrêté, le post-game de notre jeu favori de l'année, Miitopia. Allez, j'espère que tout le monde va bien dans le chat, j'espère que tout le monde va bien dans les commentaires de la rediffusion YouTube. Je vous fais de gros bisous. Et je vais couper la musique puisque nous allons partir directement en game, puisque le jeu est déjà là et il est prêt à être lancé. C'est un jeu Switch, donc forcément je dois mettre le son à fond et je pourrais pas le mettre plus fort. Hein. Je suis désolé, donc quand on aura de la... Voilà, là on a de la musique, ça m'a l'air d'être quand même un petit peu fort. On va faire les tests sonores ensemble, d'accord ? On va voir ça. Oula, c'est très très pixel, hein, je ne les connais pas pour le coup. Il n'y avait pas moyen de... Alors oui, je voulais vérifier d'avoir la langue, oui. Oui. Lisser les graphismes. Mais pourquoi c'est plus joli quand on met non? Ça n'a aucun sens, là c'est tout flou. Regardez le A de lisser, le A. Et quand je mets non, ne les lisse pas. C'est plus joli. Ah c'est fort, je baisse le son, pardon. Je baisse. Ça devrait aller mieux comme ça. Désolé, mais oui, mais il y a le petit temps de latence, du coup, entre le moment où vous me dites que c'est fort et le moment où je regarde le chat pour voir que c'est fort, du coup. Oui, donc je parlais de ça, là. Ce qui c'est que cette histoire-là, que c'est complètement con. Du coup, ça, je devrais le désactiver si je veux qu'il soit activé. Complètement, c'est fou. Ah. J'ai pas touché perso. Bah, écoute, moi, de ce que j'en vois, là, c'est tout flou. Et là, c'est beaucoup plus lisse. Ouais, je vais le laisser comme ça. Au moins, ça fait du pixel bien... Bien carré, voilà. On va y aller du coup. Bon anniversaire, Feyer Art. J'ai vu ton message, je te souhaite un bon anniversaire. Et tu verras que le chat aussi va te le souhaiter et va t'envoyer plein d'amour. Et en plus, tu as sub à l'instant, tu vois. J'ai d'abord vu ton message avant de voir ton sub. Bon sub, bon bienvenue. C'est la première fois que tu viens d'arriver. C'est ton premier sub à la chaîne Twitch en Prime. D'ailleurs, si vous voulez en profiter, du coup, il ne reste plus que quelques jours. 1, 2, 3, 4, il reste plus que 4 jours avant la fin du mois de septembre. Et c'est pendant le mois de septembre que Twitch fait son opération de September, qui fait que les subs sont à 20% moins chers. Donc du coup, si vous voulez profiter sub à une chaîne Twitch, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, moins cher, bah c'est là, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, parce que sinon le tarif reviendra à la normale. Merci beaucoup à Princess R qui arrive sub pour ses 7 mois. Bon live à toi aussi. On est parti, je veux jouer. Ça fait... Ouh, je sens qu'on va utiliser beaucoup de sauvegardes. Ah, niveau de difficulté. Maryse, est-ce que tu m'autorises à... Enfin, Maryse et Morgane, du coup, est-ce que vous m'autorisez à me mettre en facile ou pas? Money School dans le chat, je crois que je ne t'ai pas dit bonsoir. Tu as dû arriver après que j'ai dit bonsoir à tout le monde, je suis pas sûr. Plutôt normal. Tu penses que j'en suis capable? Tu penses que j'ai le niveau pour me mettre... Parce que je suis quand même un peu bête. Hein. Je suis quand même quelqu'un qui a des difficultés, il faut le savoir. Non, on reste... Allez, on va en normal, du coup. C'est parti. Je ne regrette pas de ne pas avoir lissé les pixels. Je préfère quand les pixels sont bien carrés, ça donne une plus jolie esthétique. Quand ils sont lissés, ça donne un effet un petit peu plus flou, un petit peu moins... Ben, moins net, du coup. Donc, voilà. RIP. Alors, le jeu sera traduit en français. Pas comme Deltarune, chapitre 2. Donc, oui, nous allons pouvoir jouer, comprendre et être à fond, du coup. Bon, évidemment, alors je ne mets pas le message à l'écran parce que j'ai pas envie de polluer l'espace de l'écran, mais évidemment, si vous connaissez déjà le jeu, ne spoilez pas, ne dites pas à la fin, je sais pas quoi, ne spoilez pas.
On évite un peu le backseat, par contre, il est vrai que si certains parmi vous connaissent le jeu, qu'il y a des moments où vraiment je sens que j'y arrive pas et que je demande de l'aide, bah, n'hésitez pas à m'aider, du coup, ce sera avec grand plaisir que nous ferons un petit peu le jeu ensemble. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de nous rejoindre. Ah, attendez, je suis pas sur le bon channel Discord, je viens de capter. Hop là. Hop, je suis là. Il était grand temps d'ouvrir les yeux. Pendant 2 jours, je me suis demandé de quelle couleur il pouvait bien être. Alors qu'il te suffisait juste de venir sur moi, là, et de faire ça. Ah oui, il a les yeux beiges, bien sûr. Oui, pouvait bien être. Belle technique de drague, ça. Où suis-je? Vert, je m'en doutais. À l'hôpital général, mon joli. L'hôpital général. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler le docteur, il va remettre sur pied. Moi aussi j'aimerais bien avoir une infirmière quand je me réveille d'un trauma ou quoi qui me dit mon joli. Ça serait trop bien. Oui, je viens à peine de commencer Lindine. Tout à l'instant, c'est le premier dialogue. Le jeu commence, tu arrives au bon moment. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Prends un petit truc à boire, un petit truc à manger. Fais autre chose à côté, fais sa vaisselle, fais du sport. Fais tes devoirs, je sais pas, va aux toilettes, fais ce que tu veux, mais... On se met bien. Ne vous inquiétez pas, je vais appeler le docteur et il va vous remettre sur pied. Merci, merci madame. Le docteur? Oh, mon esprit, je n'arrive pas à me rappeler. Oh oh oh, le jeune homme est vivant, comment va votre tête? Mais alors du coup c'est... Alors je vous vois Maryse et Morgan hein, qui parlait dans le chat. Combien, à votre avis, combien de temps dure réellement le jeu? Parce que en vrai s'il dure très très longtemps, il faudra le faire en 2 prises et pas en un seul live du coup. Le jeune homme est vivant, comment va votre tête? J'ai mal et je me sens tout embrouillé. Je ne peux pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi suis-je ici? Ce n'est pas à moi de le dire. L'inspecteur de police Davo va tout vous expliquer. Il est en chemin. J'ai pris la décision de ne pas prononcer le L ni le T. Hein. J'aurais pu dire Davol, Davot, Davolt, mais j'ai dit Davo. Je l'ai fait one shot en 5h06. Mieux vaut éviter de couper car tu as beaucoup de trucs à te rappeler. Ah, ok. Bon, 5h, jusqu'à 1h du mat, moi ça me semble être bien du coup. 1h, 1h30, parce que je fais des petites apartés, je lis les subs et tout ça. Monsieur Fossette, comment allez-vous ce matin? Monsieur Fossette. Oui, salut. C'est moi, ça va ou quoi là? Voilà, c'était ma meilleure blague de ce soir, je vous demanderai de l'apprécier à sa juste valeur, merci. Monsieur Fossette, comment allez-vous ce matin? Matin? S'il vous plaît, inspecteur, appelez-moi Jules. Monsieur Fossette, je suis l'inspecteur de police Marcel Davo. Je suis chargé de cette affaire. Cela ne me dit rien qui vaille. Je ne fais qu'exposer les faits. Vous souvenez-vous de quelque chose de ce qui s'est passé? Des détails sur votre présence ici? Je suis désolé. Tout est... Selon les enquêteurs, vous, votre sœur et vos amis avaient été retrouvés sur l'îlot des Neuvilles. Oui, je... Ah, merde. Je m'en rappelle au pot. Avant que je vous fournisse d'autres informations provenant de nos sources, j'aimerais que vous réfléchissiez. De quoi arrivez-vous à vous souvenir? Chaque détail compte. Je n'arrive pas, mais j'aimerais qu'il y ait... Mon esprit est complètement embrouillé. J'ai l'impression de presser ma mémoire comme une orange, mais que rien ne sort. Alors peut-être devez-vous essayer de l'éplucher, monsieur Fossette. C'est important, vous devez essayer de vous souvenir. Oui, vous avez raison, je dois peut-être essayer une autre approche. Merci beaucoup Alexa023 pour les 23 justement. Moi de resub, plus qu'un mois avant les 2 ans. Surtout Farod, les modos et le chat vous puez, cœur sur vous. Beaucoup, beaucoup d'amour sur vous. Je vous envoie beaucoup de love, les gens dans le chat. Les modos aussi, je vous envoie beaucoup de love. Les gens sur la rediff aussi, je vous envoie beaucoup de love. Les gens qui nous écoutent pas et qui ne verront jamais cette rediffusion, je vous envoie beaucoup de love aussi. Il est passé à travers le mur, je l'ai vu. Quelle perte de temps! Je ne sais même pas pourquoi nous sommes venus ici.
Allez, tu n'es même pas un petit peu curieux ? Bon, pff, curieux, oui, mais maintenant je suis déçu. Oh, tu sais très bien ce qui nous a fait venir ici. Je suis désolé, je vais l'appeler Joule. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Mais je vais l'appeler Joule jusqu'à la fin du jeu. Joule, je ne crois pas une seule seconde aux inepties de sa sœur Tristan. L'histoire était cependant vraiment captivante. Bon allez, le soleil se couche et le temps est en train de se gâter. Barrons-nous de ce foutu caillou. Je t'avoue que j'ai pas trop pris le temps, je lis le texte, mais j'ai pas trop pris le temps de regarder le chara-design de chaque personnage, donc je sais déjà plus qui c'est qui parle. Ça aurait été trop cool d'avoir le nom de la personne juste devant, pour, à côté, pour me dire qui c'est qui parle. Là, j'imagine qu'il y a un docteur par... Non, je sais pas en fait. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Ce n'est jamais une bonne idée de naviguer en pleine nuit avec une mer agitée. Franchement, Joule, ça va le faire, vous allez vous y habituer, vous allez voir. Ce sont les amis de Joule. Donc en fait, c'est dans le passé, avant qu'il se passe un truc, ou c'est au même moment pendant qu'il est au lit d'hôpital? Oh, le petit chat! Franchement, Joule, ça va. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais... Écoute, je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Tu sais que ma sœur est peut-être parfois... Joule, tu ne devrais pas être trop dur avec elle. Et en plus, donc du coup, évidemment, nous ne sommes pas dans le lit, donc ça se passait avant, du coup, hein. C'est ce dont on se rappelle peut-être. Et en plus, cela nous a au moins permis de faire une belle virée en bateau. Je suppose que tu as raison, Dionne. On devrait y aller. Je n'aime pas trop ces nuages. Donc ça, c'est moi, ça, là, avec le mec qui marche. Attends. Quoi? Il y a quelque chose d'étrange. Félix, genre le chat s'appelle Félix. Comme Félix le chat. Félix est toujours à l'intérieur. Je la pensais juste derrière moi. Ne t'inquiète pas, elle doit toujours être en temps de réunir ses affaires. Ok, donc Félix n'est pas du tout le chat en fait. Je dis totalement de la merde. Tu devrais y retourner et aller la chercher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais attendre à la jetée avec Brice et Tristan et leur dire que vous arrivez. Très bien, vos désirs sont des ordres, capitaine. Ah, et fais vite, d'accord? On y va, Rory. Par ici, mon minou. Oh, c'est décevant, le chat il s'appelle Rory. Rory. Vous connaissez quelqu'un dans la vie qui s'appelle Rory? Non. On dirait quelqu'un qui se racle la gorge parce qu'il a mangé de travers et fait Rory. Tu vois, un truc comme ça. Si, dans Doctor Who, il y a un compagnon du docteur qui s'appelle Rory. Mais sinon, à part ça, Rory. Rory. C'est... Rory. Oh, je vais pas insister. C'est vraiment, mon humour ce soir, il est fou. Le sommet. Je pourrais pas faire mieux. Merci beaucoup à Zortis TV qui a resub pour ses 15 mois. Merci à Misato qui a resub pour ses 9 mois et en tier 2 en plus. C'est un bébé que je viens d'avoir. Ça fait longtemps. Un beau bébé pour mon retour, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci d'être revenu sub, c'est très gentil. Hep, Félix. Attends, mais où vas-tu? Tout le monde nous attend à la jetée. Il fait sombre et... Elle ne se retourne pas. Et les portes se ferment. Félix! Félix! Félix Navidad. Oh le fantôme. Oh le con, le jumpscare. Oula, ça faisait peur. Au fait, j'ai réglé le son un peu aléatoirement, mais du coup, ça va? Vous voulez que je l'augmente ou alors c'est plus que correct? C'est un petit, hein, c'est une petite pensée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait sombre. Bordel, c'est déjà la nuit. J'ai dû m'évanouir un moment. Félix? Félix, je dois la retrouver. N'y avait-il pas une lampe alchimiste sur le bateau? Je devrais retourner à la jeter. Si t'as un filtre pour la lumière, car il va faire sombre quasiment tout le long. Ah, tu fais bien de me dire ça, Maryse. Très bon réflexe. Alors, un filtre pour la lumière, j'en ai jamais mis, je crois, sur... Eh ouais, parce que là, on part directement sur la Switch. Je n'avais jamais mis sur la Switch. Mais on va se démerder. On va faire correction colorimétrique. Alors, on va... Alors, est-ce que quelque chose a changé déjà, là? Rien n'a changé. On va augmenter le contraste. Oups, là, on va plutôt le baisser. Du coup, pas trop, hein. C'est vraiment minime, les détails. Hop, on le baisse. Et la luminosité, on l'augmente à peine un peu. Pas trop, juste à... Non. 0,05, ça ira très bien. Attends, je peux le faire avec les flèches, peut-être? 2, 3... Oh, ça monte beaucoup, en fait. Alors, ça, c'est maintenant, et ça, c'est avant. Maintenant, j'ai peut-être trop augmenté. Bon, alors, on va faire de moitié. Hop. Ah ouais, là, c'est bien. Ça, c'était avant. Et maintenant, ça, c'est nouveau.
Je peux augmenter à peine un peu plus. Ah non, attends. Comme ça. Ça change pas grand chose au final, tu me diras. C'est juste pour votre expérience à vous, pour la rediffusion aussi, que ce soit pas trop sombre. On va se mettre comme ça. Ça m'a l'air plutôt bien. Ah, ça m'a l'air plutôt bien. Allez. On va faire ça, faudra juste que je pense à l'enlever. Alors, la prochaine fois que je joue à un jeu Switch, il y a des chances que j'oublie de l'enlever. Donc faudra peut-être me le rappeler le moment venu. Hein. Allez, on est parti. Hop là. Hop. J'imagine que je peux interagir avec tout. Des ailes et des griffes, c'est une petite figurine de reptile en marbre. C'est comme dans Deltarune, on peut parler avec tout le monde. Il fait très sombre ici. Et j'ai besoin de lumière. Ouh, je sens que c'est pour sauvegarder ça. Bien vu. Ça fait 11 minutes que nous jouons. Il fait très sombre ici. Oh, d'accord, tant que je n'ai pas de lumière, je ne peux pas interagir avec les objets. On va retourner au bateau et donc on va aller chercher de... L'opposition ! Je me demande ce que fait le chat de Dion ici. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu t'es perdu ? Allons chercher un petit peu... une petite lampe là-bas, un petit peu de luminosité. Allons chercher la mer. Je sens l'air marin. Attends, il y a des fruits là. Je peux en prendre pour tout à l'heure ? Non, je ne peux pas. Allez, on s'approche de la mer. Notre bateau est censé être pas loin. On a dû accoster un endroit où c'était facile d'accès, j'imagine. Le voilà. Enfin, j'espère que c'est le nôtre et qu'on va pas piller le bateau de quelqu'un d'autre. Mais où sont tous... Où sont donc-ils tous passés ? C'est étrange. Je ne vois mes amis nulle part. Je me demande où est-ce qu'ils sont. Alors, serait-ce ça ? Vous avez obtenu la lampe alchimique. On peut pas prendre d'autres trucs tant qu'on y est. On peut prendre une rame, je sais pas, pour se protéger des fois. Alors, on va tâcher de remonter, voilà. Donc là, on a des barrières qui vont nous... Ah, je fatigue ! Ah, je ne peux pas courir à l'infini, tiens donc. Oh, ça se voit son visage qu'il est crevé, regarde. Il est soufflé, il a des petits mouvements de bouche en mode... On va le tuer. On va le tuer de fatigue. Hop là. Mais le petit chat n'est plus là. Alors... Cette lampe alchimiste n'a pas besoin de combustible pour fonctionner, le seul inconvénient est que son intensité est irrégulière. Oh, ça va plus que bien. Oh, il y a des lettres au sol. Non, il n'y a apparemment rien d'utile ici. Oh, on va de nouveau sauvegarder. Hein. Alors pourquoi il me place toujours sur la sauvegarde 10 ? C'est un peu bête ça. Oui, on va écraser la sauvegarde, bien sûr. Alors, une lampe à huile ordinaire, elle semble cassée. Ah, d'accord, on peut déjà partir, hein. Je pensais qu'il allait avoir une petite énigme. Non. S-O-A-N. Z. On verra bien. Bonjour. Une imposante sculpture religieuse en pierre bénie par l'usure et la négligence. Elle est gravement endommagée. Un trou taillé sur le piédestal. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre dans ce trou ? Et attends, j'ai cru voir quelque chose dans son œil. Elle a l'œil qui brille un petit peu. On dirait un petit peu du sans. Très bien. Il y a un chemin à gauche. Alors, est-ce que c'est une porte ? C'est une bien étrange œuvre d'art qui occupe tout le mur. Il y a un gros trou ovale qui décore le centre. Donc on va avoir des petits objets à chercher un peu partout. Je ne vois rien d'utile ici. Et un chemin à droite. D'anciennes choses oubliées et couvertes de poussière, rien d'utile. Allez, on va aller à droite, on ira à gauche un petit peu plus tard. On peut monter, on va rester à cet étage déjà. On va éviter de trop se perdre. Oh, des créatures de la mer, toutes sortes de diverses espèces. Et chiffres romains sont peintes à l'aquarelle. 1, 2, 3... Oh, 5, 6, 7... 9... Attends. 4, 9... 5, 6, 7, 8... Non, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Pourquoi les deux à droite, là, ils sont inversés, ces idiots ? Faudra que je m'en rappelle. 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 4... La lune reflète sa lumière moqueuse sur moi. Il est tard et il fait froid et morne. Petit papier, non ? Ah ! Elle est fermée. Le mot maestro semble être gravé à côté de la serrure. Oh, mon dieu, mais il y a des portes partout, là. Parce que ça aussi, c'est des portes. Oh, punaise. Des mannequins en bois mutilés.
Ouh. Le portrait d'un homme âgé antipathique, je me demande pourquoi il semble si grincheux. Une tête de bébé géante en bois, et elle n'a pas d'yeux. La vue de profil terrifiante d'un squelette humain. La femme de l'image semble mince et décharnée. Oh, je l'aime pas. Un mannequin femme, presque de taille humaine, il semble presque vivant. Ah bon? Celui-ci penché vers l'avant et je ne vois pas son visage, s'il en a un. Ah bon? Une grande main désagréable indique la gauche. Une jeune fille jouant avec sa balle, la peinture est si réelle. Un peu trop réelle. Une peinture d'une créature, c'est un rat, t'es mal à taille du rat. Cette toile est vierge, un peu comme Farod. Non, attends, on dirait que quelqu'un a peint une épaisse couche de blanc sur quelque chose. J'ai entendu un bruit. Cette figurine est en bois. Cet escalier doit mener à l'étage inférieur, mais un effondrement bloque le passage. Ah, fermé de l'intérieur. De l'autre côté. Ah mince. Alors on va monter. Waouh. On dirait une tête sculptée dans une espèce de métal chromé. Oula. Il y a un truc à... Oui, je l'ai vu. C'était le vent. Waouh. Six bras et une gueule béante. Cette statue a un côté exotique et étranger. Est-ce un bouton sur le piédestal? J'appuie. Ça part du bas et ça commence à gauche. Très bien. Un gigatrou. Une tête humaine faite en bronze. Ses yeux me fixent. Ah, mon Dieu, il y a une porte. Elle est fermée. Le mot Greco semble être gravé à côté de la serrure. Greco. Une bouteille à la mer classique, c'est mignon ça. Il y a tellement de portes. C'est impossible de l'ouvrir. Tu as bougé. J'ai tapé dedans? Ah d'accord, ok. Une poupée dans un landau, rien d'inquiétant bien sûr. La pièce tombe en ruine, une partie s'est effondrée ici, je ne devrais pas m'attarder. Hein. La table est jonchée de détritus, rien d'utile. Attends. Alors je sais pas si ça s'est entendu, mais moi je l'ai entendu, hein. Un cri de bébé. Je vois un emblème à l'intérieur, il semble ancré à la base. Il y a aussi deux boutons, je me demande à quoi ils servent. Il y aura un code à apprendre. Une vieille peinture à huile, ses couleurs ont terni, comme tout le reste du manoir d'ailleurs. Six personnages. On dirait qu'il y en a qui se montrent des... Ils se montrent comme ça, là. Elle représente une époque du passé. Un groupe hétéroclite de personnes semble y figurer. La statue à gauche est très bizarre. Hein. Allez, on va sortir d'ici. Ça va, le chat, pas trop effrayé. Pour l'instant, ça va. Hein. Il ne se passe rien. Je pense que, de toute façon, toute l'entièreté du jeu sera dans cette ambiance-là. La semble... Ah, fermée de l'autre côté. D'accord, on va aller à gauche, maintenant. Une vitrine sale, il n'y a rien d'utile à l'intérieur. Bibelot et bagatelle, rien de spécial. Un buste à moitié terminé, sculpté dans le marbre. Un joli coquillage encadré, signé avec le nom Adelar, en élégante calligraphie, la légende dit « À mon amour, Viviette », c'est le nom du jeu. Une petite porte, sûrement les toilettes. Oh non, c'est une grande salle ça. Je vois des fournitures de bureau à l'intérieur. Une petite sauvegarde. Ça fait pas de mal, bien sûr. Une bibliothèque et un placard en désordre rempli de livres de différentes couleurs. Je passe à travers les... le truc, l'objet au mur. Ok, ici c'est la salle de la sauvegarde. C'est une lampe à gaz ordinaire, mais... Mais qui l'a allumée? Et la dernière porte à gauche. Fermée. Il y a peut-être un moyen de l'ouvrir de l'autre côté. Bien vu.
l'autre côté qu'il dit. Ok, je rappelle qu'il y a toujours toute une partie de l'endroit que j'ai pas visité qui était à gauche de la salle principale. On va aller là-bas. Bonsoir à ceux qui arrivent. Mettez-vous à l'aise. Le live a déjà un petit peu commencé. On y est allé là ? Ouais, c'est fermé. Le bon maestro. Ah oui, je m'en souviens. C'est suspense pour le moment, mais je sens que ça va partir en cacahuète. Peut-être ? Peut-être que oui. Donc j'ai toujours récupéré aucun objet pour le moment. Oh merde, fermé, il y a peut-être moyen de l'ouvrir de l'autre côté. Oh oh. Ah, ça m'inquiète ça par contre. Je pensais avoir tout fait. Bon, faut que je trouve quelque chose à amener ici. Est-ce que quelque chose a changé de ce côté? Ou y avait-il des portes peut-être que j'ai pas vu? Non. Et peut-être autour du manoir, y avait-il un moyen de passer autour? Voilà, par exemple, l'énorme racine de cette plante recouvre une partie de ce mur. Genre par exemple, on pourrait pas monter et accéder à une fenêtre? Non, fermé de l'autre côté. Il a dit quoi? Je vais devoir trouver une autre façon. Je vais prendre le temps de tout visiter un petit peu. Oh, il y a un puits aussi. Je ne vois pas jusqu'au fond, mais on dirait qu'il y a encore de l'eau. Quel serait l'intérêt de sauter dans le puits? Aucun. Je suis passé de 1800 P à 166... Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Après, c'est un jeu pixelisé, donc la qualité au final, je pense pas qu'elle soit si importante que ça. Une petite fenêtre où on peut passer à travers des fois là. Ah, le petit jardin. Le verrou de ce portail est complètement inutile. De toute façon, je ne crois pas que je pourrais l'ouvrir. Il s'essouffle vite le monsieur. Oh. Cette épaisse branche d'arbre pend avec un fil métallique le traversant. La branche semble creuse, comme si je pouvais étendre un cliquetis à l'intérieur. Un cliquetis. D'accord, on ne peut pas aller plus loin. Si, on peut aller plus loin. Non, on ne peut pas aller plus loin. Mais il y a un... Oh, il y a un cimetière. Et je vois un petit cimetière, mais il est fermé à clé. Eh, ça fait beaucoup d'endroits différents à les visiter au final. Pas d'ouverture derrière le cimetière. Des murs invisibles. Il est en fin de vie le monsieur là. Il se fera pas tuer par un fantôme lui, je te le dis, il sera tué de fatigue. Hein. Le pauvre. On est loin ou pas de la barrière? Ah ouais, on est loin quand même. Si jamais il y a un truc caché en... Ah bah tiens, justement. Je vais le dire, si jamais il y a un truc caché, faudrait pas le louper quoi. Alors qu'avons-nous là? Ah oh! Oh, des symboles! Ouf, va falloir le prendre en photo ce machin. Prendre en photo pour pas l'oublier. Hop là, photo prise. Ah oui, Maryse, tu as raison. Tu peux le, si tu veux bien, tu peux le screen et le mettre sur Discord. T'as raison, ce sera plus simple que d'ouvrir mon téléphone. Je regarde un petit peu la forme aussi des statues. Tu vois, ils sont 6. Est-ce que ça pourrait pas représenter les 6 personnes qu'on a vues sur la photo? Mais ils ont pas forcément la même position. Mais bon, à savoir. Merci pour le screen, Maryse. Toujours au taquet. On va continuer à se balader un petit peu. Donc là, c'est l'entrée. Ouais, c'est l'entrée par là où on est arrivé. Donc sur le chemin du milieu, il devrait rien avoir, normalement. Ah oui, voilà, l'entrée est comme ça. Oh, il s'essouffle, mais... Cours vite, le machin. Alors, une petite cabane. Cette porte a été bloquée à l'aide de longues planches en bois. Et il va vraiment mourir. Ça se sent, il est en fin de vie là. Ça, on l'a déjà vu. Bon. Si jamais je trouve rien du... Attends, mais on peut pas y foutre le feu à ce machin là? Si jamais vraiment je trouve rien à l'intérieur, mais vraiment j'ai quand même l'impression d'avoir tout vu. Peut-être se diriger vers là où il y avait le bruit de bébé.
On cherchera un petit peu partout au niveau de la plage du coup. Donc si... Oh. Si bruit de bébé il y a eu, ne faudrait-il pas retourner dans la salle des bébés justement? Qui était je crois... ici? Non. Qui était je crois... ici? La salle avec un gros bébé sur le mur, tu sais, voilà. Cette salle là... Rien à bouger, vous êtes sûr? Ouais, j'ai oublié une porte quelque part. Et la fenêtre, on peut pas passer dehors? Putain, il va vraiment souffler pendant tout le jeu, le pauvre. Gréco, maestro. Ça aurait pu être là qu'on entend le bruit. Ah, il y a clairement quelque chose à faire avec ça. Hein. Non, c'est pas les statues que j'ai vues tout à l'heure. Attends, il y a écrit quoi en jaune? Un groupe hétéroclite. Pourquoi ils insistent sur le mot hétéroclite? Il y a un petit truc là. Un emblème à l'intérieur, il semble ancré là-bas. Est-ce qu'on a déjà vu cet emblème quelque part? Non, mais par contre, la forme pourrait bien aller sur la statue qu'on a vue au début là. Avec l'œil qui brille là, la Sans. Il y a aussi deux boutons, je me demande à quoi ils servent. Au moins cette petite séance de test sur des boutons lui a permis d'arrêter d'être essoufflé. Le sol s'est effondré, je ne pourrais pas simplement traverser à pied. C'est une fenêtre ouverte à la fin de chaque couloir. Ah, est-ce que ça aurait pas débloqué le fait de passer de l'autre côté? Mais oui, c'est risqué, mais je pourrais peut-être atteindre l'autre côté si je rampe le long du rebord. Une chute pourrait être fatale. Une puissante rafale de vent pourrait me faire tomber. Je pourrais peut-être rester debout si je m'accroche fermement au mur. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur le rebord? Non, il y a peut-être un moyen plus sûr. Oui, ça semble être la seule option. Ça semble être la seule option, oui. Sauf si on peut trouver une grande planche en bois, la faire passer sur le trou, mais j'ai envie de tenter. Doucement. Doucement. Tu bouges plus, tu bouges plus. Ah d'accord, t'es tombé. Hein. C'est game over. Ah c'est nul ça, non? Vous êtes mort. Vous auriez pu mettre un autre message en disant « Vous êtes une merde ». Ça aurait aussi bien marché. Et là, il dit, ouais, let's go. Ouais. Allez. Ok. Bon. Tout va bien. Je vais recréer le dialogue avec le trou, du coup. Et le dialogue avec ça. Merde, je voulais pas... Il doit y avoir moyen plus sûr. Voilà. Donc maintenant, trouvons quelque chose qui nous permette de passer de l'autre côté. J'imagine que ce sera dans cette pièce ici. Ça peut difficilement être dans une salle... Ah, sauf si il met le truc dans son inventaire, tu me diras. À ce moment-là, on peut aller un peu partout. Je cherche quelque chose pour faire un pont. Mais vous pensez qu'on peut, la passer la vitre? Peut-être qu'en fait, parce que là je me dis en fait c'est scripté, on pourra jamais la passer. C'est genre on va mourir plein de fois dans le jeu, mais peut-être qu'on pourrait la passer. Ah mais je peux! Si je rampe le long du rebord,
puissante rafale me ferait tomber. Je pourrais peut-être rester debout si je m'accroche fermement au mur. Ouais, mais d'accord. Mais comment tu t'accroches au mur? Ah, t'es accroché. Ah, il fallait appuyer sur un bouton. Voilà, dès que j'entends du bruit, j'appuie. Ah, mais d'accord. Je l'avais pas. Je me fie aux feuilles. Hein. Et au bruit. Oh. Mais c'est tout con. Oh, il me fait des feintes. À quel moment le vent il est assez puissant pour pousser? Bon, bref. On est passé donc de l'autre côté. Un nouvel endroit. Avec une porte. Ouh, c'est plus que sombre ici. J'ai besoin de lumière. Ah, mais c'est vrai. Je me disais bien. Il y a une grosse serrure sur cette sorte de mécanisme. Mm-hmm. Je n'arrive pas à me résoudre à regarder à travers les glaces. Elle. Cela fait des jours que son apparence n'est plus humaine. Tout est... Non, je ne peux plus regarder. Je ne reconnais même pas mon propre reflet. Qu'est-ce qu'il m'arrive? N'est-ce pas ce que je désirais? Pourquoi mon esprit me joue-t-il des tours? Charmant. Une autre sculpture horrible. Elle me donne la chair de poule. Oh oh. Il y a un symbole au-dessus de la porte. Je rêve pas là. Mais ça n'a pas l'air de faire partie des symboles qu'on avait vus sous les statues. Faut que je prête attention à tous les détails du jeu. Là aussi, il y a un symbole. Étrange. Dégoûtant, des insectes morts et fétides. Il n'y a pas d'eau. Oh, il y a du sang dans la baignoire un petit peu. Le livre brille. Vous avez obtenu le livre rouge. Livre rouge, un livre à couverture rouge, il est dédié aux mollusques tels que les palourdes, les moules, les calamars, les poulpes. On est venu ici que pour ça, hein. On est venu ici que pour ça. Et là, je repars en mode, voilà, il y avait que ça à faire, hein. Alors, je me vois bien aller devant le tableau avec le livre. Il faudra revenir ici quand on aura une espèce de clé. Non, non. Je vérifie bien parce que... Ouh, il y a un bruit. Je vérifie bien au cas où qu'on n'ait pas besoin de se retaper le chemin jusqu'ici. Ok. Allez, on y repart. Ah mais putain, le vent est déchaîné, hein. Oh là là, il est fou. Bien sûr, Maryse, c'est bien ce que je me disais. Si je meurs là, je perds le livre, hein, faudra tout refaire. Ouf, j'ai failli le tenter. Hein. C'est pour ça qu'on va vite aller sauvegarder. Que la sauvegarde était je sais plus où. Non, elle était... Alors déjà, on va rallumer ça. Peut-être qu'à un moment donné dans le jeu, faudra éteindre la lampe pour faire apparaître des choses dans le noir. Allez, on sauvegarde, ça c'est déjà fait. Oh! Qu'est-ce qui c'était? Elle a explosé sans raison apparente, peut-être à cause du gaz. Ah oui, c'était la lampe! Mais ouf! Elle est ma boule. C'était où déjà? C'était là. Hein. C'était là. Voilà. Est-ce que je peux utiliser le livre ici? Non, il croit pas que ça fonctionnera. Très bien. Où est-ce que tu me vois utiliser un livre, moi? Eh, c'est que je confonds toutes les portes à chaque fois. Je le sais, hein, que vous allez bouger à un moment donné. Hein. Je vous attends. Il y en a plein de petits trucs, là.
parsemés par-ci par-là, qui n'attendent que d'être résolus. De la camelote vieux, cassé et peu utile. Je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire de ton livre. Hein. Punaise. Et c'est qu'on se bloque facilement dans ce petit jeu. Faut que je prenne plus de temps à regarder les symboles au-dessus des portes aussi, peut-être. Fermé. Le mot greco, maestro. Rien ne concorde. La peinture doit représenter un paysage proche de la rive du village. Toujours fermé ici, hein. Ça ne change pas. Bon alors, un trou, voilà, il y a un trou, il y a même des trucs sur les côtés comme les boutons en haut et en bas, et elle a l'œil gauche qui brille. Je suis complètement passé à côté de quelque chose. Elle est fermée. Le mot maestro semble être gravé. En plus là, il y a le symbole aussi là-haut. Ceux qui connaissent le jeu là, devaient rigoler parce que je trouve pas du coup. Mais c'est vrai que j'ai entendu un bruit. Il n'y a pas d'autre chemin vers la fenêtre, on est d'accord. Hein. Non, on peut pas aller de l'autre côté. Ah, et si je suis dans le noir? Je ne vois rien, je suis dans le noir, d'accord. Je veux bien un petit indice, Maryse. Oui. S'il te plaît. Parce que là, je suis un peu perdu. Ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas encore vu. Dans la salle du bébé, t'as une énigme et la réponse. Dans la salle du bébé, t'as une énigme et la réponse. L'énigme doit être liée à ça. La toile qui est vierge, mais qu'en fait, il y a une épaisse couche de blanc sur quelque chose. Donc, faudrait racler un petit peu. Après, il y a une main qui nous pointe à gauche. La fille qui jouait le ballon. Ça a l'air plus réel qu'une peinture. Voilà. Ça a bugué au moment même où j'ai cliqué. Et imaginons que je me mette dans le noir. Est-ce que ça va pas donner envie à des gens de se déplacer un peu là? Est-ce que même toi, je te vois? Oui. Donc en fait, ça, c'est les endroits de lumière où je peux regarder, donc. Ah, je suis pas dans la bonne salle, mais pardon, t'avais dit la salle du bébé, pour moi c'était ça la salle du bébé. Une tête de bébé géante en bois, elle n'a pas de yeux. Je parlais de la salle où le bébé a crié.
Ah bah oui, bah bon, bah là forcément, oui, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est sûr. Ça, le bébé à Christ est quelque part vers là. Ouais, ouais, je me souviens, avec la chemise. Elle a la chemise qui pend là, à l'entrée. Voilà, avec le lando. Donc, ok, 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 ok. On recommence. Donc oui, il y a une énigme à faire avec ça, je me doute bien. Et donc, il y a la réponse quelque part. Il y a un cœur sur le mur. Une coiffeuse classique avec un miroir. Un miroir. Le moment où la lampe elle bug un peu, ça me donne l'impression qu'il s'est passé un truc. Bon, des flèches qui montent, qui descendent, en placées à droite et à gauche. Il doit y avoir quelque part, à un moment donné dans le jeu, quelque chose qui me donne un code. Un code et savoir exactement combien de fois cliquer sur combien de boutons, à quel emplacement. Et j'imagine que ça doit être sur la photo et pourtant je le vois pas. Alors je vais trop loin là. Je vais trop loin, je vais trop loin. Ah si, peut-être. Attends. Oh oh baba oba. Non, effectivement, je suis allé trop loin. Je me suis fié à la taille des personnages. En fonction de comment ça monte de gauche à droite, ça monte, ça descend de 2, ça monte et ça redescend à la fin. On n'est pas couché avant 6h du mat, c'est moi qui vous le dis. J'avais réfléchi aussi au sexe des personnages, mais comment deviner leur sexe avec cette photo et surtout que représente en haut, que représente en bas. Il faut aller loin dans ce jeu. Tu veux dire, dans le raisonnement, il faut aller loin. Après, je comprends pas pourquoi ils mettent le mot hétéroclite en jaune. Parce que ça veut dire que ça a son importance, mais. Qui me redonne une définition exacte du mot hétéroclite ? SVP. Donc c'est bien ce que je pensais, donc je ne vois pas pourquoi ils l'ont mis en jaune ce mot-là. Je bloque toujours sur le fait qu'il y a certains persos qui lèvent la main un peu, qui essayent de montrer quelque chose.
je vois rien. J'essaie de trouver des petits détails cachés, mais je crois que c'est beaucoup. Non, c'est trop perché. Je commence à chercher des dessins de flèches dissimulés, genre par exemple le perso tout à droite là dans son entrejambe, tu sais, sa veste verte qui descend, on dirait la pointe d'une flèche qui pointe vers le haut, mais je crois que je vais trop loin. Ah mais je sais pas, je croyais qu'il fallait aller loin au bout d'un moment. Peut-être que la taille, mon détail était correct, je suis pas... Peut-être que la première personne, il fallait pas commencer par haut, mais par bas. Donc ça ferait bas, haut, bas, bas, haut, bas. Bas, haut, bas, bas, haut, bas. L'emblème se détache de sa fixation. Effectivement, c'était vachement perché. Vous avez obtenu l'emblème. Vous êtes mort. Ouf. Urgh. Waouh, j'ai vraiment de la chance de ne m'être rien cassé. Ambiance. La vieille nappe couverte de... c'est pas la nappe que je pointais en fait, c'était ma pote. Couverte de moisissures, la nourriture avariée a abîmé son élégance d'antan. Félix, elle dort? Je dois la réveiller et la sortir d'ici. Félix? Félix, réveille-toi s'il te plaît. Jules, c'est toi? Où étais-tu? J'étais mort d'inquiétude. Allez, nous devons sortir d'ici avant que... Partir? Non, je ne veux pas, je ne partirai pas. Viviette, nous sommes devenus amis. Je veux rester avec elle. Viviette, tu ne la vois pas? Est-ce que tu parles de cette poupée juste là? Quoi? Non, pas toi aussi, comment oses-tu? Félix, je suis désolé, je ne... Elle me comprend, elle est gentille. À l'inverse de mes amis, de tes amis, elle me croit. Nous avons pris le thé, je l'ai préparé moi-même. Ce n'était rien que pour nous. Regarde, Jules, je t'en ai gardé. Oh, je... Ce n'est pas gentil de ne pas en boire. Tu vas la contrarier. D'accord. Mais après, je pense qu'il serait temps de dire au revoir à ta nouvelle amie, de rentrer à la maison. D'accord, Félix? Ah, qu'est-ce que c'est? Tu aimes? C'est un mélange de plusieurs thés, d'autres herbes. Viviette m'a appris la recette. Aïe. Coup dur pour l'OVNI. Oh, j'ai la tête qui tourne. Le thé, stupide, c'était stupide, Jules. Qu'est-ce que c'est que ça, on dirait une box internet. Wow. Oh, le flip. Deux enfants se battent dans la peinture, ça me fait penser à quand Félix et moi nous étions jeunes. Ça va, toi? Une grande poupée réaliste, ou est-ce un mannequin? Elle a une sorte de peinture rouge sur la tête, quelque chose ne va pas. Un grand miroir de courtoisie, rien à voir ici avec... rien à voir ici à part mon reflet... J'arrive pas à lire. Mon reflet maussade. Une vieille horloge comtoise en chaîne massif, elle semble ne pas avoir sonné depuis des années. Pourtant, les aiguilles bougent facilement. Ah, des chiffres romains. C'était 4 et c'était 9. Non, c'était 8 du coup. Rien. C'est peut-être l'inverse qu'il faut faire. C'était un déclic. Je crois qu'un mécanisme interne s'est activé. Un énorme globe oculaire répugnant en porcelaine. Pourquoi quelqu'un décorerait-il une pièce avec ça? J'espère qu'on aurait pu sortir... Voilà. Et là, on sort par où, du coup? Par ici. Tant mieux, parce que du coup, on aurait eu besoin de retourner voir le tableau et les chiffres romains, enfin, si je l'avais pas capté la première fois.
Ah, vous avez obtenu... Je pensais que c'était une sortie secrète. Vous avez obtenu pièce d'échec. Tour noir. Non, pardon, moi je croyais que c'était un passage secret. C'était, je voulais juste vérifier qu'on pouvait sortir par là. Et j'allais continuer ici, mais bref, c'est pas grave. Apparemment, ça a juste choqué absolument tout le monde que je ne prenne pas l'objet tout de suite, calmez-vous. Du coup. Pièce d'échec, la tour noire. La pièce d'échec de la tour noire est gravée sur un morceau de porcelaine rectangulaire. Je vais prendre quelques secondes pour lire les subs du coup. Ah oui, putain, ça fait presque une heure que je les ai pas lus. Okay, putain, quelle heure là? 21h, mais putain, le temps passe vite. Fou! J'en étais où? J'étais à Furax qui a resub pour ses 3 mois. MacDam83 qui a resub pour ses 10 mois. Enfin, j'ai réussi à sub avec mon Prime. Des bisous, puis tous, bonne soirée à toi. Haroldette a resub pour ses 4 mois. J'ai entendu dire que le surnom du personnage principal du jeu est Lovni. Tout à fait. J'espère que tu vas bien. Merci à NRV Hugo qui a sub en Prime pour la première fois de toute sa vie. Te souhaitons la bienvenue, Hugo. Merci à Rikun qui a resub pour ses 18 mois déjà. Deux bébés, tu te rends compte? On a PGM Club qui a resub pour ses 3 mois. Nous aussi, on t'aime beaucoup. Arthur Pierrot qui a resub pour ses 11 mois. Emma Julien qui a envoyé 200 bits. Je trouve qu'on parle pas assez des modos qui sont trop drôles et que je prends du plaisir à les lire. Et les modos, vous avez une carrière d'humoriste, de one-man show là, à faire avec les gens dans le chat. Préparez-vous. Hein. Vous avez un public là, ça y est. Coconut291 a resub pour ses 14 mois. Coucou à toi dans le futur qui radera le replay. Laura P-I-N-T, Pint, qui a sub en tier 1 pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue à toi, on peut lui souhaiter la bienvenue. On a ensuite Wolfie Rune qui a resub pour ses 10 mois, merci beaucoup. Xalti Lama qui a resub pour ses 1 an. J'attends ça comme si c'était mon anniversaire. Mais justement, bon anniversaire de sub du coup. Merci beaucoup à toi, je vis des moments difficiles et tu es toujours là, merci beaucoup. C'est un réflexe de regarder tes lives, merci à toi. Ben, bon courage alors et merci beaucoup pour ton joli message, c'est très 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 gentil. On te fait tous des bisous. Merci UKAMI qui a resub pour ses 16 mois. Coucou, je n'ai malheureusement pas le temps de rester, mais je reviens juste pour resub. Passe une excellente soirée, de courage à ceux qui travaillent, bien sûr. Bonsoir à Meme5624 qui a sub en Prime pour la première fois de toute sa vie. Bonsoir à Justium qui a sub en Prime aussi. Pour la première fois de toute sa vie, on peut leur souhaiter la bienvenue à tous les deux. Et on termine avec Atsuko Kashbe, qui a resub pour ses 8 mois. Merci beaucoup. On vous fait à tous des bisous. Bon, la pièce d'échec, la tour. Pièce d'échec de la tour est gravée dans le morceau de porcelaine rectangulaire. Porcelaine rectangulaire, je vois pas ce que je vais bien pouvoir en faire, moi, de ça, de la porcelaine rectangulaire. Ah, j'entends des bruits, hein. Ne change pas la tour. Y a-t-il quelque chose qui a changé ici? Parce qu'une fois, une pièce de porcelaine, je pourrais l'utiliser pour gratter la peinture, par exemple. Non. Ou avec un livre. Ou avec du feu. Ah non, ça c'était une bête idée, parce qu'en fait, j'enlève juste la lumière. Ah mais attends! Mais l'emblème de bouclier, j'avais oublié. Faut que je l'amène au début. Oh, j'avais zappé cette histoire. Complètement zapper ça. Voilà, ça je peux la positionner ici. Oh, elle m'a lâché une clé. Vous avez obtenu la clé de Maestro. Ben ça, on sait où c'est du coup, c'est bon. Hop là. Si je dis pas de bêtises, c'était tout à droite. Wow. Est-ce que c'était un glapissement? Qui dans sa vie a une seule fois employé le mot glapissement? Je répète, qui dans sa vie a une seule fois entendu le mot glapissement? On glapisse pas, nous? Oh non. Oh non. Oh non, pas le chat. Oh non, pas... C'est le dernier bruit qu'il a fait avant de mourir, il a fait... Qui pourrait bien faire ça, un pauvre animal? Attends, est-ce que c'est... Ah. Peut-être sauvegarder un coup, moi. Hein. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, hein, tu me diras. Ça fera pas de mal de sauvegarder un petit coup. Non, parce que j'ai vu ce qui nous attendait, en fait, donc...
peut-être pas prendre de risque de se faire tuer et de recommencer. Parce que là, j'ai 20 minutes de jeu où j'ai pas sauvegardé, quoi. Félix, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas un jeu, nous devons y aller. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Beaucoup de choses ne vont pas chez elle, je crois. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Félix? Menteur! Tu vas encore m'enfermer dans cet horrible endroit. Arrête, tu me fais peur, tu agis comme une folle. Cours, en fait. Ne t'approche pas, arrête! Et là, oula, c'est bien ce que je pensais. On va tâcher de fuir vers l'extérieur. J'avais pensé aller vers la fenêtre aussi. Mais c'est bien aussi l'extérieur. Elle me suit plus. Ça fait pas de mal. Mais elle est plus là. Elle est plus là. Fermé, maestro. Alors, la clé maestro. Donc, des restes d'animal morts pourris, depuis combien de temps sont-ils là? Je préfère ne pas voir ça. À part des restes de nourriture moisie, des déchets, je ne vois rien de remarquable. Il n'y a rien d'utile ici. Oh, il y a un truc dans le pot. Des ustensiles de cuisine sur les étagères, rien de plus. Vous avez obtenu un seau! Pourquoi démembrer une poupée? Je me sens mal rien qu'à la regarder. Par contre, il y a un super couteau, hein. Ça aurait pu être cool de le prendre. Petite porte. Non, elle est fermée. La serrure est très petite. Ah, j'ai pas beaucoup de place dans mon inventaire. Un vieux cube de bois qui peut être utilisé comme seau. Il n'a pas de trou malgré son âge. Un seau. Un seau. Je ne me rappelle pas forcément d'endroit où il y avait de l'eau qui coulait, encore moins un endroit qui nous demandait d'un quelconque liquide. Est-ce que je peux recueillir le sang qui coule? Ça ne fonctionne pas ici. Il a quand même l'air d'avoir de l'eau là-dedans, on ne peut pas le remplir, non? Moi je me souviens d'un robinet par contre. Une salle de bain. Mais le robinet ne fonctionnait pas. Oh! Tu m'as vachement surpris pour le coup. Ouais, j'ai le cœur qui bat. Elle est là. Putain, je peux pas passer. Putain, je peux pas passer. Pas le meilleur endroit pour être à l'aise. Je la vois pas. Je vais retourner à l'extérieur parce que vu qu'il y a la mer, il y a la plage, il y a forcément de l'eau là-bas. Même si je vois pas encore bien l'intérêt d'avoir de l'eau dans le seau. Il fait toujours jour, hein. Je pense qu'au niveau de notre bateau, on pourrait trouver un endroit pour récupérer de l'eau. Par contre, je viens de capter que j'étais pas allé trop à droite vérifier ce qu'il y avait au bord de l'eau. Merci beaucoup, Justy Yume, qui a offert un sub à Dark Vapol. Il n'y a rien. Juste avant, il y avait aussi juste Yume qui avait offert un sub à Athenium 50. On a Lilou Kitsune qui est passé faire coucou, qui n'est pas arrivé au meilleur des moments du jeu apparemment. On a Jim Doki Doki qui reste pour ses 18 mois. Ce que je disais, le temps passe très très vite. Hop là. Comment je pourrais faire ma petite affaire là?
Je crois pas qu'elles ont fonctionné ici. Ah. Nah. Je me disais bien. Et on est au bord. À l'intérieur du bâtiment, il y a le robinet. À l'extérieur, il y a le cimetière, il y a un endroit, il y a un puits à gauche, c'est vrai. Peut-être qu'il peut être rempli d'eau. Sinon, ce seau servira à transporter autre chose, du sang, quelque chose comme ça. Putain, merci beaucoup, Juste Yume, encore un sub offert. Que se passe-t-il? Ah voilà, on dirait qu'il y a encore de l'eau. Ah ben même le jeu le dit, je l'avais oublié. Ah, c'était le puits, d'accord. Vous avez obtenu seau d'eau. Ah, c'est rigolo ça, si tu le dis vite, c'est rigolo. Un seau d'eau, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je vais pas lui foutre le feu à ça là. Fatigué là de courir partout. Alors de l'eau. On va devoir se retaper. Ah, la peinture blanche. Parce que je réfléchissais, je voyais pas où est-ce que je pourrais la mettre l'eau. Elle est toujours là. Non, je la vois pas plus que ça. C'est ça. Vous avez obtenu un seau, évidemment. Oh oh. C'est... Je... Ouais. Attends. Mais pourquoi on dirait que... J'y sais pas bien passé un truc. Je crois que j'ai merdé, non? J'ai utilisé l'eau à un endroit qu'il fallait pas utiliser, peut-être. Attends, je suis bon pour rechercher de l'eau, là. Oh non. Oh non. Non. Oh, 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 oh. Je savais pas qu'elle pouvait rentrer à l'intérieur. Elle m'a encore fait plus peur que la dernière fois. On peut pas relancer la sauvegarde, des fois. Au pire, le temps que ça prend d'aller chercher l'eau, c'est pas grand chose. Bon, l'eau, je l'amène où? Je l'amène dans le lavabo? Dans les toilettes? Mais quel est l'intérêt? Peut-être de tirer la chasse et genre... peut-être qu'au fond des toilettes, il y a une clé ou un truc caché. Je le sens bien, ça. Ou peut-être que l'eau, il faut le mettre sur la plante, sur le mur, pour la faire pousser encore plus et pour aller sur le toit. Pas du tout, en fait. Absolument pas. Mais l'idée était bonne. Après, il suffit juste d'attendre quelques années que ça pousse, évidemment. Merci beaucoup, Lilou Kitsune. 5 mois. 5 subs, pardon. 5 subs offerts. Mais, alors... Ouais... Oh, c'est giga violent quand même. Tu m'as surprise. Félix, tu m'as vraiment surprise. Bon bah du coup la sauvegarde va se relancer. Ah ok. Mais sinon moi j'étais là pour passer un bon moment et tout à la base. Bon normalement j'ai toujours le seau d'eau, c'est bon. Par contre j'ai plus où c'était les toilettes. Ah mais parce qu'elle est là. C'est pour ça que je l'entends marcher. Les toilettes, c'est pas de l'autre côté de la... C'est de l'autre côté de la fenêtre, non? Faut que je retourne là-bas. Hein. C'était là les toilettes, je crois. C'était cette porte. Oh, j'ai trop peur d'y aller pour rien. Oh non.
J'ai pas passé loin. J'ai peur de l'utiliser au mauvais endroit. Non! Je voulais mettre la lumière. Oh non, putain, j'ai quitté le jeu. Oh non, c'est la fin du... Oh non, c'est la fin du stream, putain. De toute façon, c'était pas là, ça peut aider. Oui, ça peut m'aider, effectivement. C'était pas là qu'elle me dit Marise. Un truc à éteindre, il n'y a pas eu d'endroit avec du feu, hein. Je vois du feu nul. Bah, et tu sais quoi, il faut juste visiter, hein. Il faut juste fouiller. Peut-être il y a eu un endroit où on me disait que... Non mais, calme-toi. Elle va me follow. Eh, tu follow pas. Elle follow complètement. Ah, et la statue qui fait du feu, justement. Non, ici il n'y avait rien. Greco. On n'a pas encore trouvé la clé Greco. Et des terres. Putain, j'étais sûr que c'était là. Qu'est-ce que ça dit ça? Figurine en bois. Penche en avant. En fait, j'ai envie de jeter de l'eau sur tout pour voir s'il y a un truc qui réagit. Genre le bébé, tu vois, j'ai envie de lui mettre de l'eau dessus. Les petites poupées là aussi, elles pareil dans le mur. Bon, ça j'étais persuadé que ça allait marcher, je suis dégoûté. Mais ça risque d'être long hein, si je commence à mettre de l'eau sur tout le monde. Merde. Putain. Tu m'as pas laissé le temps. Putain, dommage que les portes elles se referment directement derrière moi à chaque fois. Il reprend la sauvegarde, il est déjà essoufflé comme il en peut plus, le pauvre. Il faut juste un peu plus de temps pour regarder tout. Ah, et elle, là, la poupée, là, je lui fous de l'eau dessus, là, ça lui fera du bien, non? Ça va la réveiller? En fait, il y a trop de possibilités partout où on peut mettre de l'eau et j'ai peur de me rater. Ah mais le saut c'est là-bas que je l'ai récupéré, donc c'est peut-être pas là-bas qu'il y aura quelque chose. Non, c'est pile là où je voulais aller. C'est vraiment pas de bol. Bon Marise, je veux bien que tu me dises au moins s'il faut que je traverse la fenêtre ou pas. Ça m'aidera pas mal. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, t'es vraiment placé à l'endroit où je veux aller, tu le sais, ça. Ah ouais, ça marche bien, ça. Non, il y avait rien ici non plus, hein. Quand tu connais le jeu, du coup, quand tu l'as déjà fait, ça doit paraître ultra évident de fou.
tout ça on l'a fait, tout ça on l'a fait. Non, je voulais pas que tu me vois. Ça, c'est pas évident quand tu l'as fait il y a longtemps, il n'y a pas tous les détails qui restent. Tu m'étonnes. Oh, faudrait un truc ovale ici, c'est vrai. Calme-toi. En fait, je suis en train de réfléchir si la... Non, avec mes objets, déjà, ça, je l'ai pas utilisé. Et vu que j'ai gardé la clé, est-ce que la clé pourrait ouvrir quelque chose? Genre, je repense à un placard qui était dans la chambre du Lando, par exemple. Ou juste ouvrir d'autres portes. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise ça sur toutes les autres portes, une par une, qui sont déjà fermées, en fait. Il y en a peut-être une qui va s'ouvrir. On peut y aller là ou pas? Allez, vas-y, laisse-moi passer de l'autre côté s'il te plaît, parce que là tu bloques le passage. Allez. Allez, il s'agirait de partir, de me laisser passer. Voilà. Merci. Elle est fermée. Voilà, le mot Gréco. Gréco ? Non, je vois pas. Ça, elle est ouverte, on la connaît déjà. C'est la salle de la chemise. Alors, on passe par en haut dessus. Bon, maintenant qu'elle est en haut. Ça, c'est ouvert. Ça, c'est... Ah, et en bas, tout est ouvert. Ah, il y avait ça qui était fermé. Elle est fermée. Ah putain, j'ai complètement oublié ça. Je m'en souvenais pas du tout. Ah, c'est une porte. Je crois que c'était une bibliothèque. Oh, ça je le vois arriver. Ah non. Oh, le livre bleu. C'est un livre bleu, Kong. Ce livre a une couverture bleue, il est dédié aux crustacés tels que... Je suis en train de lire, madame, en fait. Oh, j'ai pas hésité une seule seconde. Elle est là. Le sol n'est pas stable, il craque et pourrait s'effondrer à tout moment. Elle me suit. Elle me suit beaucoup très fort. BC1, ou alors 3C1. Des dizaines de boîtes qui contiennent toutes des bouteilles remplies de différents liquides. Elle me follow tellement. Un bébé poupée assis sur une chaise. S'il vient vers là, bon, je suis foutu. Hein. Je suis inquiète pour Adlar, je me fiche des fêtes, mais après ma dernière perte, il ne vaut même plus aller en ville. Il ne veut même plus aller en ville. Il ne m'autorise pas non plus à utiliser le bateau. Il semble absent, absorbé dans ses propres pensées au sujet de Dieu sait quoi. Le fait est que quand il me fixe du regard, je suis parcouru par un sentiment de malaise. Je suis effrayé. Effrayé même qu'il découvre cette lettre. J'ai peur, Alice, et je suis profondément troublé par l'état mental d'Adlar. Quand et où pourrions-nous le voir? Cela doit être un secret, s'il te plaît. Donne... Ça, c'est pas cool qu'elle se déplace pendant qu'on lit. Mais au moins, ça va me laisser le temps de regarder un petit peu les salles où j'ai pas été jusqu'à maintenant. Une main humaine sculptée dans la pierre... Au moins on sait où est-ce qu'elle est. Hein. Mais ça là, ce tableau qu'il y a au sol, je pensais trop qu'on aurait pu l'utiliser pour le début du jeu. Elle est vraiment
juste là, pour le coup. Allez, viens me voir. Viens me voir. Elle a du mal. Allez, viens me voir. Viens me voir. Allez, viens. Parce qu'il faut vraiment que tu sortes de cet endroit, en fait. Parce que sinon, moi, je peux plus avancer. Vas-y. Non, t'y arrives pas. Tu feras gaffe, tu bloques un peu. Voilà, viens. Voilà. Non, t'y arrives. Tu veux pas. Bon. Ça va être compliqué, ça. Je vais essayer de la faire spawn ailleurs. Si je suis assez loin d'elle, elle va spawn autre part, peut-être. Imaginons que je revienne au début, je sauvegarde un petit coup, tu vois, parce que ça fait pas de mal de sauvegarder aussi. Voilà, hop là, 8 minutes de jeu de plus. Peut-être qu'elle va respawn au début, là, on sait pas. Ouais, l'IA est un peu éclatée, c'est clair. Ah, mais cool, elle est là! Parfait. Heureusement, elle reste pas bloquée, elle respawn un peu proche de moi, du coup. Donc, j'aimerais prendre le temps un peu de regarder tout ce qu'il y a ici. Genre ça. Un coffre décoré, il ne s'ouvre pas. Il y a un cadenas, il semble avoir une combinaison à 5 chiffres. 5 chiffres. Ok. Ah, dans tous les cas, on peut pas essayer. Ok, bon, on peut pas essayer. Quiconque habitait ici devait vraiment aimer le vin. Il y a tellement de grands tonneaux, mais rien d'anormal. Ok. Oh. Ok. Ah, une collection de figurines nautiques dorées. Elles sont magnifiques, apparemment inviolées par la décomposition qui les entoure. Une ancre, un coquillage, une boussole et un crab. Et ils ont des emplacements précis. Maryse, si jamais tu peux faire une petite photo. Regarde bien, normalement tu peux la repousser quand elle commence à vouloir te tuer. Oh, ok. Si tu veux bien prendre un petit screen et me l'envoyer sur le Discord, ça serait parfait. Merci beaucoup, Maryse, tu as géré. Ils semblent en manquer, je me demande où est-ce qu'ils sont. Non, il va falloir faire la chasse et en ramener un par un. Plusieurs. Rien d'utile ici. Ok. On va continuer dans ce cas. J'avais pas fini de lire. Quand pourrons-nous nous voir? Ce doit être un secret, s'il te plaît, donne la lettre au fils de Fabio et implore-le de le cacher, de la cacher sous la troisième planche de la jetée. Ton ami V. Comme Viviette. Oh, il y a beaucoup de choses ici. Et toujours votre délire avec les pantins, apparemment. Burk. Un mannequin en bois. Le cou entre la tête et le torse est en bois fin. Un mannequin en bois. Donc là, toujours le même dialogue. Des membres, des têtes. C'est plein de pièces de mannequins. Putain, elle est là. Elle est juste complètement là, en fait. Ça va me bloquer, mais tant pis. Il n'y a rien à l'intérieur. Ok, ça valait pas le coup. Une sculpture religieuse en pierre. Son visage est inexpressif. Ses yeux sont morts. Ok. Ah, là, c'est les escaliers qui sont bloqués, hein, du coup. Qu'on voyait de l'autre côté. Ok, elle arrive, attention. Ok, porte métallisée. On entend. Je vais aller là, parce que c'est un cul-de-sac, du coup. Oh oui. Oh oui, un pied de biche. Alors j'ai pas encore le temps de réfléchir à quoi, pourquoi, comment. Mais cool, un pied de biche. Oh oui, cool aussi, une sauvegarde. Je me demande à quoi servent ces machines, on dirait une sorte de chaudière. De la camelote sans valeur. Oh, oh, oh! Quelqu'un est passé de l'autre côté. Un grand entonnoir dans le sol, il semble dangereux. Elle est à gauche. Comment est-ce qu'elle a fait pour être à gauche? C'est marrant, ça. La planche en bois qui est un petit peu plus haut dans le jeu, est-ce qu'on pourrait pas essayer de la récupérer? Un pied de biche en fer rouillé, bien qu'il soit un peu court et fin, il peut être... Il peut le servir et il pourrait pas ouvrir un de ces tonneaux, là, des fois? Non? Il y a tellement de tonneaux partout, il faudra bien en ouvrir à un moment donné, non? Un tonneau qui sort un peu de l'ordinaire, là.
Là, cette planche en bois là, je peux pas la récupérer rapidement. Je ne peux pas lire l'inscription, c'est impossible. Pied de biche, j'essaie de me rappeler où... Pied de biche, pied de biche, pied de biche. La peinture blanche, le pied de biche, on s'en fout un peu. Ah merde, elle est là. Bon, je pense qu'il faut que je fasse un petit détour. Faut que je revienne en arrière, que je vienne chercher quelque chose à faire avec le pied de biche. Une porte à forcer. Ah, attends, au premier étage, il y avait des planches en bois sur une fenêtre. Non, ça ne fonctionnera pas ici. Fermer de l'autre côté. Il faudrait une porte barricadée. À gauche aussi, il y avait une porte fermée. Toujours de l'autre côté, hein. Elle est là ou pas? Elle n'est pas là, ça me laisse le temps de fouiller un petit peu. Tu veux pas un coup de pied de biche dans ta tête, non? Ok, elle est toujours pas là. Bon, ça coûte rien d'essayer, hein, tu me diras. Allez, bien. Bien ce que je pensais. Non, sur tout ça, je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire. Dans la tête du bébé? Non plus. Après, dans la cuisine où on a trouvé le seau... Je vois pas trop, hein, pour l'instant. Il y a un tonneau? Non. C'est quoi ça déjà? Fermé. La serrure est très petite. Non, je pense pas. Il faut plus un truc pour crocheter la petite serrure, à mon avis. Ou alors une petite clé. Un objet qui s'appellera clairement petite clé. Tu m'ennuies, hein, t'es au milieu. Aïe aïe aïe, elle va me rattraper, donc je vais essayer de passer par là. Pendant qu'elle monte, moi je descends. Merde. Putain, mais t'as zéro le temps de l'esquiver en fait. T'as absolument zéro le temps de l'esquiver. J'ai pas compris comment on fait pour lui échapper. Je vois qu'il y a une petite barre qui apparaît, mais... Rien. Rien. Bon, normalement, j'ai sauvegardé il y a pas très longtemps. Donc c'est pas bien grave de mourir. J'ai le pied de biche. J'ai le pied de biche. Rien n'a changé depuis. On peut d'ores et déjà repartir. Ouf. Elle m'embête. En plus de ça, elle est con. Elle va plus vite que moi. Oh. Oh putain, c'est tombé ça. Ça me l'avait pas fait ça la première fois que je suis passé. En haut, pied de biche, il n'y avait plus rien. Ici, petit coup de pied de biche peut-être. Dans la statue. Regardez, il y a peut-être moyen de l'ouvrir de l'autre côté. Oh! J'ai récupéré l'emblème. Alors ça, je m'y attendais pas par contre. Je m'y attendais pas du tout. Et à l'extérieur, ouais, le petit cabanon là que j'avais vu à l'extérieur, il avait pas des planches en bois sur la porte? Maintenant que j'y repense. Elles ont l'air hautes les plans. Ah non, pas tant que ça, c'était la perspective. Let's go. Vous avez obtenu des planches en bois qui permettront de passer de l'autre côté du trou. On dirait que cette machine contrôle cette énorme scie radiale. Il y a une ouverture à l'avant. Oh, il y a une roue là. Oh, tu peux prendre la roue, non? Un énorme rondin de bois. Un rondin de taille moyenne, rien d'utile. Oh, il y a un coffre. Un coffre qui ne s'ouvre pas. Ah, dommage.
dommage, dommage, dommage. Mmh. Pour l'instant, rien d'utile ici, mais faudra amener une ouverture. Faudra amener quelque chose, là. Et après les autres endroits, tout ce qui était le cimetière par exemple. Pas besoin de pied de biche, je crois pas. Là on vient de recevoir les planches. J'ai envie d'essayer les planches pour voir si ça, ma théorie est bonne. Par contre, n'hésite pas à regarder partout sur les tables, tu loupes des morceaux d'histoire pour avoir plus de contexte. C'est ce que je viens de faire, je viens de louper un... de l'histoire. Je viens d'en louper là sur la table précédente. Aïe. On me dit oui dans l'oreillette. On me dit oui, Faro, tu es une merde. Tu ne sais pas lire en plus. Il s'effondrait exactement comme je le craignais. Triste. BC1, on n'oublie pas. Elle n'est pas là. Elle est de l'autre côté. On va lui faire un beau chemin pour qu'elle puisse venir. Allez, viens. Oh non, elle a fui. Je crois que je lui ai fait peur. Ça ne lui a pas plu. En tout cas, elle est partie à gauche. Elle ne peut pas être là-dedans. Ouais, elle va se fermer. Le mot Gréco semble être gravé. Ça fait deux Gréco, attention. Il s'agirait de s'en souvenir. On a des escaliers qui montent. Une porte en haut, une porte en bas. Oh, salle de billard. Table de billard usée, les insectes ont rongé la surface. Dommage, j'aime bien le billard. Oh, il y a la Joconde. Une sculpture de bronze d'une femme avec le poing levé. On dirait qu'il y a quelque chose dans le poing. Je ne sais pas ce que c'est ni comment l'en sortir. Le pied de biche. Non. Alors ça, on tâchera de s'en souvenir. Rien d'utile, juste de la décoration. Des trophées, des prix, orne la vitrine. Ah ah! Il y a des figurines nautiques dorées sur le plateau. Elles sont ancrées sur place. Je ne peux pas les déplacer. Attends, je peux les enfoncer. Ah. Tiens, tiens, tiens. Première. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Il ne s'est rien passé. Peut-être qu'il faut les laisser seulement elle debout. Mince. On dirait que quelque chose vient de tomber. Vous avez obtenu la clé Gréco. Ah, il y a un truc qui brille sur la table. Ah non, j'y ai cru. Fort intéressant. On dirait qu'ils sont pendus hein, sur le mur, les personnages. Des pièces de poupée. Des pièces de rechange. D'après ce que je vois ici, cet endroit devrait être une sorte d'atelier de fabrication de marionnettes. C'est quoi votre délire avec les marionnettes? Des déchets, rien d'utile pour moi. Ok. Un coffre? Je me demande ce qu'il y a dans cette petite boîte. Elle est fermée. Il y a une minuscule serrure, encore une fois. Pied de biche! Il est où mon pied de biche? Là, pied de biche. Marche pas. Ça fait deux fois qu'on nous parle de minuscule serrure. Tâchera de s'en rappeler. Attention. Oh putain! T'es ouf! Mais t'es ouf! Oh. Donc là, c'est pour la clé Gréco. Ce sont des costumes très voyants accrochés au mur. Je ne peux pas quitter mon regard. Ah quoi? Il a dit quoi? Je ne peux pas quitter mon regard. C'est bizarre cette phrase. On dirait que quelqu'un a recousu la robe de cette poupée récemment. Ça devrait être tellement ordonné quand c'est utilisé. Les machines à couture, les machines à coudre comme celle-ci ne sont plus vraiment utilisées.
Les glaces sans teint que vous avez demandé et commandées pour votre nouvelle salle de danse sont prêtes. Nous attendons que vous nous disiez quand et où vous voudriez qu'elles vous soient livrées. Veuillez nous contacter dès que possible. Sincèrement, Émilien Laplace. Une scène pour des spectacles de marionnettes. 7 lettres. Les marionnettes sont pendues par le cou, mais je peux tirer dessus. Oh. Alors, première chose que je penserais, ça serait de... Mais non, dans l'ordre, mais c'est trop con. Non, ça peut pas être aussi simple que ça. Doit y avoir un meilleur truc. Est-ce qu'il me rappelle quelque chose ces personnages? Non. Ok, donc il y a une musique à faire et la musique nous donnera un mot de passe. Peut-être du plus grave au plus aigu. Ah non, c'est déjà... Je pense que c'est trop tôt, hein. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Il me manque quelque chose là. De toute façon, j'ai plein de nouvelles portes, plein de nouveaux endroits à aller visiter. Putain, c'est encore des nouveaux endroits. On a encore une porte avec la clé qu'on a trouvée. Allez ouvrir. Fermer de l'autre côté. D'accord. Fermer. Libexio. Semble être gravé sur la serrure. Oula! Ça va mal se passer, ça. Des insectes noyés, charmants. Là, il y a un cadavre dans là-dedans. Non, même pas. C'est quoi cette horrible odeur? La baignoire est juste pleine d'un épais liquide rouge. Let's go! On remplit le seau de liquide rouge. Ah, et j'ai même l'impression qu'on peut le vider. De la boue rouge, ou quoi que ce soit. Ah, on ne peut pas le vider quelque part. Ah, merde. Alors que l'eau, elle, on pouvait la vider où on voulait. Là, le seau rouge, je suis condamné à... Oh oh. Je suppose que ces objets confirment que les propriétaires de cette maison étaient autrefois de la haute société. Je la sens. C'est ce qu'elle disait. Elle est près de moi. C'est ce qu'elle disait. Je veux désespérément qu'elle revienne à mes côtés. Il faudrait se calmer quand même là. Mais pas comme cela. Je marche dans les couloirs et derrière mon dos, le monde prend vie puis disparaît quand je le regarde. Mon imagination, c'est limpide. Est-ce qu'elle invente de telles choses? Non, ce n'est pas une illusion. Cela ne peut pas être le cas. J'ai remarqué leur souffle et leurs mains. Elles sont proches de moi. Elles sont autour de moi. C'est plein d'insectes morts. Ah, ben là, il y a une baignoire qu'on peut remplir. Un énorme miroir, il tient bien le coup malgré son âge. C'est bien ça, on va faire des petits va-et-vient pour pouvoir vider la baignoire de droite et voir ce qu'il y a tout au fond de cette baignoire là-bas. Ah, quelle chance! Un beau seau de trucs rouges là. Ouais, encore un coup et on sera bon. Ouais. Et quoi d'autre? Elle est complètement vide maintenant. C'est tout? J'ai cru voir quelque chose. Waouh! J'ai eu peur. Une pièce d'échec tour blanche. On va collectionner les pièces d'échec maintenant.
On y allait là, je me rappelle plus. Ah non, c'est fermé. Oula! La poupée est assise là comme si elle attendait quelque chose, c'est perturbant. Pied de biche! Ça ne sert pas. Quelqu'un joue du piano, c'est fermé, le mot Gréco semble être gravé à côté de la serrure. Gréco! Félix? Elle a l'air de s'éclater. Oh, il y a une pince à côté d'elle. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? C'était ta mélodie préférée quand la flamme de notre amour était toujours allumée. Félix, tu n'as jamais joué du piano. Comment tu... Tu as toujours été obsédé par ce que les autres disaient de moi. Non, pas uniquement ce que les autres disaient. Tu me détestais vraiment parfois. Pourquoi me ferais-tu cela autrement? Pourquoi? Arrête Félix, tout cela n'a aucun sens. Tu me détestes vraiment. On ne peut plus revenir en arrière maintenant. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, mais je promets que je vais venir t'aider, Félix. Tu vas devoir t'accrocher. J'ai besoin de plus de temps. Tout est encore très flou. Une pince coupante. Magnifique, c'est la première fois que je vois une harpe d'aussi près. C'est splendide. Je crois que j'en ai jamais vu dans ma vie. Un petit endroit pour sauvegarder, ça fait un moment là. Peut-être. Je n'ai pas déjà vu une statue comme celle-là. Elle n'était pas dans l'autre aile de la maison. Il y a plusieurs boutons sur le piédestal. Ok. Ah bah si, monsieur. On a dit qu'on commençait, voilà, là, et ça montait petit à petit. On a dit qu'on commençait à gauche et c'était du bas vers le haut, hein. Non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attends, je le refais. Donc, du bas vers le haut. Ça n'a pas marché. Mais c'est bizarre parce que des fois, il y en a que certains qui se bloquent. Tu vois, par exemple, elle reste bloquée. Ah, le sens change à chaque mort. Ah, merde! Au hasard, hein. Ah, et là ça recommence. Ah, ouais, d'accord. Et donc, à chaque fois que je fail, il faut retourner chercher l'ordre. Ah, ouais, ah, ouais, ah, ouais, 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 ouais. Eh ben, c'est parti, on va aller chercher ça. Oh putain, oh putain, elle va venir me taper, je crois. Dis-moi pas que c'est fermé. Oh non, je vous en supplie, j'ai pas sauvegardé depuis un moment et j'ai toujours pas compris comment on esquivait ces attaques de couteau là. Ah ! Oh parfait, c'est ici. Oh là, il y a une sauvegarde en bas. Ouf, ouais, j'avais un quart d'heure de jeu que j'avais pas envie de recommencer là, je t'avoue. Donc, montre-moi ce que tu sais faire. Gauche. Alors milieu, milieu. Oh putain. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Milieu, au bas, bas, haut. Oh oh. Oh. Le livre vert. Oh oh oh, pop 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 pop. Ah mais je me souviens plus lequel vaut lequel.
un compartiment s'est ouvert à la base. Vas-y. La pile d'échec, le cavalier noir. Ok. Ok, 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 ok. Je note. Elle est juste là. Un ancien navire dans une grande bouteille. Ok. Pardon. Intéressant, ce bureau est étonnamment bien rangé. Il y a une porte à droite et une porte en bas. Elle est fermée, le mot Libeccio est inscrit dessus. Elle est fermée, le mot Libeccio. Oh là là, il nous manque une grosse clé importante là. Donc le chemin là en bas, je l'ai fait. Hein, et c'était bloqué. Et là en bas. Eh, mais on revient ici. Moi j'aimerais aller à droite maintenant. Si vous le voulez bien. Parce que j'ai encore une porte à ouvrir moi. Tiens, je vais re-sauvegarder. Non, c'est bon, pas besoin. Je sais plus où aller. Il y a une porte que je dois encore ouvrir quelque part. C'est là. Alors, oula. Tu peux pas, d'accord. Je l'ai encore vu aujourd'hui dans la maison, il y en a plus maintenant. Il court à travers les couloirs et les chambres en riant et en jouant. Je sais que ce ne sont pas les miens et pourtant, j'ai peur de commencer à les aimer. J'ai commencé à les appeler par leur nom. J'ai mentionné leur présence à mon mari et est devenu furieux. Je suis tombé par terre. Mon coude me fait encore mal depuis la chute. Il a dit que je ne dois pas en parler de cela et tout oublier. Mais comment est-ce cela est-il même possible? Ils sont à nouveau là. Ils sont à mes côtés en ce moment même en train de pleurer. C'est un éléphant. J'ai toujours voulu un tricycle quand j'étais petit. Un cheval de bois pour enfant. C'est Glock, pourquoi ce grand mannequin est-il bordé dans le lit? Bien, la manivelle c'est sûrement pour le petit cabanon. Hein. Baba? Ah si, ok. Ah ah, c'est ici. Très bien, je vais retourner au petit cabanon. Juste un coup d'œil, voir si je peux activer la petite machine. Sinon c'est pour un autre endroit. Mais au moins je passe par là, ça me permet de re-sauvegarder un petit coup. C'est bien ça. La machine fonctionne, il y a des boutons qui contrôlent la scie radiale. Oh bah j'imagine qu'on va amener les rondins vers la droite. Mmh. Mmh. Ah ! Attends. Excusez-moi, pardon. C'est du vrai sang, quelle horreur se cache à l'intérieur. Pied de biche. Non. La pince, non. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Mais il était pas cassé en deux ce rondin. Quel était l'intérêt de faire ça? Il faudra forcément que j'amène quelque chose et que je le dépose pour le couper en deux. À un moment donné. Et les pinces. Elles pourraient couper quelque chose.
couper quelque chose. Genre comme des lianes. Des lianes sur un manoir, peut-être. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Merci à Axel E qui resub pour ses 9 mois. Ça fait un moment que j'ai pas eu les subs, c'était il y a une heure. J'aurais bien donné à appeler ce petit bébé comme le gamin qui s'était fait. Un jeu qui a fait. Voilà, c'est ça. Donc il s'appellera Bébé. Ok, j'ai pas tout bien. J'ai pas la ref de ce que tu as dit, je vous rappelle pas. Merci à Kiming, la légende, qui a resub pour ses 1 an. Salut, 1 an déjà, je t'ai envoyé un DM à propos de Deltarune à faire. L'as-tu reçu? Sinon, continue comme ça. Je crois pas que je l'ai reçu, non. Non, je l'ai pas reçu, désolé, il faudra me le renvoyer. Merci à Datcho qui a réussi pour ses 6 mois. J'ai 14 ans aujourd'hui, voilà, je t'aime Farod, je t'aime le chat. Et j'ai le Riser Siren About. Très bon micro, bien joué. Bon anniversaire en fait, du coup. Il est peut-être un peu tard, faudrait peut-être que t'ailles dormir du coup. Mais bon anniversaire quand même. J'espère que t'as bien profité. Merci à Gwayne qui a sub en Prime pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue. Et merci à Cyclope qui a réussi pour ses 2 mois. Bienvenue aussi. Faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je pourrais faire avec la pince? Là, y a rien qui me saute aux yeux. Les livres, qu'est-ce qu'on va en faire des livres? Il y a tous les types de poisons, tels que les sardines. Non, poisons. Écrit poison, tels que les sardines, les thons et même les requins que je respecte énormément. Ce livre a une couverture verte. Un truc là à l'intérieur. On peut pas lui enlever une dent au requin là des fois. Ouais, et là ils vont me dire pareil en dessous. Pied de biche, on casse la bouteille. Ça va toi? La poupée est assise là. Pied de biche! Toujours fermé de l'autre côté. Pas l'impression d'avoir fouillé à 100% tout ce qu'il y avait ici. Hein. Si ça, on l'a fait. Faut que je regarde un peu partout encore, de nouveau. Ouais, forcément, ça aussi, on l'a fait. Ouais, ça aussi. Donc ça, là, ça fait au moins 3. 3 portes qui me disent ça. Fermé de l'autre côté. Attends, on savait que ça reliait là? Je sais même pas si je l'avais remarqué ça, je crois pas. Le petit coffre là, je peux pas l'ouvrir avec la petite pince? Et non. Ça l'aidera pas sur le tableau blanc non plus.
Il y a un endroit où il y a plein de... plein de mannequins. Ah oui, il y a ça aussi, j'ai pas pris le temps de regarder. Je regarde les couleurs, je regarde les... Oh, wow, 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 wow. Putain de merde, je suis dans la merde là. Ah ouais. Ah ouais, vous spammez de fou. En fait déjà si je cours, j'ai le bouton B enfoncé, c'est pour ça que ça veut pas. Je viens de capter. Je me suis pris le mur, c'est pour ça que je suis mort, je suis deg. Bon, je viens de sauvegarder, c'est pas grave. Bon, j'ai la peinture blanche, j'ai le truc de musique qui m'attend aussi. J'ai encore pas mal de petites énigmes que j'ai pas encore résolues. Ah, je suis au début du jeu, ouais. Et donc du coup, là, la porte est fermée. Hein. Ah ouais, donc je l'avais pas ouverte de l'autre côté. Hein. J'ai tout le reste, hein. J'ai la petite pince, tout ça, ouais. J'ai rien perdu, véritablement. Je vais me charger de rouvrir la porte, quand même. Attends. Hop. Ah, j'ai une crampe. Enfin, j'ai des fourmis. Non, c'est pas là. Voilà, là. Après, la petite pince... Peut-être pour le cimetière, il était fermé par une... Non ? Bon, je me refais tout le jeu de long en large pour vérifier s'il n'y a pas un endroit qui me saute aux yeux. En mode, ah bah oui, c'était évidemment là qu'il fallait utiliser la petite pince. Parce que là... Bon, ici, j'ai pas assez fouillé. Je t'admets. Elle m'a pris de court un petit peu, ma surprise. Ici, je crois. Allez. Ah, j'ai cru sur la miniature qu'il y en avait qu'elles étaient toutes. Il y a ça aussi, il y a une petite combinaison à 5 chiffres. 5 chiffres, on n'a pas vu de truc à 5 chiffres encore. Et de l'autre côté de la fenêtre, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui me demandait une petite pince des fois ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah ! Putain, je croyais que j'avais actionné un truc sans faire exprès. Non ! Oui, je veux savoir, Maryse. Est-ce que je le garde en... en dernier recours ? Et mince, elle est là. Pas de fenêtre pour la pince. Ok. Et toi, tu veux pas un petit coup de pince? Non, toujours pas. J'aimerais repartir à l'endroit où il y avait le tableau. La salle du Lando. Vérifier. Non, il n'y a rien à vérifier en vrai là-bas. Un endroit avec des lettres. Ah mais je peux plus aller. Ah je peux plus aller au tableau. C'est qu'il y a un trou maintenant. Et ça on pouvait pas l'ouvrir.
Je sais quoi faire d'autre avec cette statue. Je ne sais quoi faire d'autre, pardon. Vas-y, je vais aller dehors. Même si ça m'étonnerait que ce soit ça. Remettre l'emblème ne sert à rien. Je veux bien notre indice, Maryse. Ouais. S'il te plaît. Je veux bien. Comme ça, je vais pas au cimetière pour rien. Merci beaucoup, Lilo Kitsune, pour les bits. Bonne nuit. A plus. Ah, c'est effectivement dehors. Oh, mais sympa. Je partais au bon endroit, alors. Après un quart d'heure de recherche inutile à l'intérieur. Alors, dehors. Le petit cabanon. Les pinces, on l'a utilisé sur le tronc d'arbre qu'on a coupé. Le verrou de portail est complètement inutile, de toute façon je crois pas que je pourrais l'ouvrir. Pied de biche, des pinces, c'est pas ça. Donc ça, ça n'a pas bougé, et pour l'instant les signes, on les a pas vraiment revus. Fermé à clé, hein. Ne fonctionne pas. Je répète. Putain, si c'est un truc avec le rondin de bois, je m'en veux tellement. Non, c'est pas ça, ok. Ah, parce que j'étais en train de me dire, mais peut-être que je crois l'avoir fait et je l'avais pas fait. Je me suis dit, avec les petites pinces, tu peux attraper quelque chose qu'il y a au fond. Il ne s'ouvre pas. Pied de biche, des pinces, une clé, deux clés. On peut toujours la faire se déplacer. Est-ce que ma plante a poussé depuis tout à l'heure? Oh, attends, il y a ça aussi. Ah, mais c'est fermé de l'autre côté. Et non, ça, je suis sûr, c'est le premier truc que j'ai essayé. Vous avez obtenu une branche d'arbre. Trop bien. Il reste que le fil métallique se courbant et dansant le vent. Et une putain de branche d'arbre. Petite, épaisse et creuse. Je l'ai trouvée suspendue à la citerne extérieure. Je crois que j'entends quelque chose cliqueter à l'intérieur. Oh putain. Oh putain.
vous l'avez dit en plus tout à l'heure qu'il y aura bien un moment donné où il faudra amener quelque chose et le couper. C'est pour ça que je me disais, c'est étonnant qu'il nous laisse encore accès au bouton de la Siri. Et c'est parce qu'en fait, on n'avait encore rien fait avec. Et voilà, et là ça va être la clé Lipochi, Liputu, je sais pas quoi là. Ah non, c'est vous avez tenu une clé à croix. Une clé à croix, ce serait pas la clé du cimetière ça des fois? Une vieille clé rouillée avec une croix taillée dessus. Ah ouais, je la sens bien pour le cimetière celle-là, tiens. Le moment de la branche d'arbre, je l'ai trouvé au bout de 2h50. Et nous, on est à combien d'heures de jeu, là? On est à 2h07. Bon, ça va. J'ai 50 minutes d'avance sur toi, alors. Merde. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ça va, l'oiseau? Putain, regarde l'oiseau au-dessus, il twerk. Il est trop content. Une pierre tombale, l'épitaphe n'est pas vraiment visible. Une pierre tombale, l'épitaphe n'est... Ah, c'est toujours pareil. Mais il y aura bien quelque chose à faire dans tous les cas. Ah, RIP, on le voit d'ici. Non, ok. Alors. C'est rigolo parce que du coup. Ok, je suis censé amener les corbeaux à des endroits précis. Il y a 9 pierres tombales. Ça peut représenter. Qu'est-ce qu'on aurait pu voir qui ressemble à ça? Comme une grille de morpion, tu sais. 3 sur 3. Ah, peut être tous les deux sur la même. Est-ce que c'est aléatoire? Non, peut-être qu'on s'en fout. Possible que ce soit ça la finalité du truc, que ça m'ouvre juste le cimetière et que dedans j'ai rien à y faire en fait. Merci Naruto Drag. Pardon, je baille. Si la clé pourrait pas ouvrir un autre endroit. Je pense que je manque d'un élément. Je me souviens pas d'un truc avec 9 choses. J'ai un code secret à trouver de 5. J'ai une chanson de 7 musiques, de 7 notes. Et là j'ai un cimetière de 9 tombes. Je vois pas dans le jeu ce que j'aurais pu voir. Ah oui, il y a les statues là aussi, mais il y en a que 6, il y en a pas 9. Ça fait 5, 6, 7, 9. Comme ça là de tête, il n'y a rien qui me vient. Je vais voir si la clé elle peut ouvrir aussi la porte qui a
Ah non, il me disait fermé de l'intérieur. Parce qu'il y avait une autre porte aussi qui était fermée là-dedans, là, à gauche. Allez, je veux bien un petit indice, Marisa. Sur l'énigme du cimetière, en tout cas, seulement. Tu n'as pas encore trouvé la réponse, donc je n'ai pas encore tout fouillé dans la maison. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça c'est pas bon ça. À moins que d'avoir eu cette clé me déclenche un nouveau script là. Mais à part ça. Et on. Pff, j'ai envie de. Ouais. Je me dis, il faudrait peut-être que je laisse le petit bouclier. J'ai pas encore trouvé la réponse. Faut que je fouille plus que ça donc. Ça, c'est le truc des baignoires. Wow! Pourquoi on l'a pas vu ça avant? On dirait une rose des vents peinte sur une espèce de parchemin. C'est si élégant, on dirait des lames croisées. Attends. Il n'y a que est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest. Qui peut être la position des pierres tombales si on se place pile au milieu. Mais on n'a pas 4 oiseaux, on n'en a que 3. Le code à 5 chiffres, ça fait rien. Les notes de musique, ça ne fait rien. C'était quoi le truc à 6 chiffres déjà? Je me rappelle plus. On dirait des lames croisées. Qu'est-ce que tu veux dire par lames croisées? On dirait que tu. On dirait des épées. Tu voudras qu'on mette des épées ensemble à un moment donné? Est-ce que ça serait pas ça la clé machin là? Non, elle ne fonctionne pas. Il y a des lames croisées sur la porte aussi. Parce que ça peut représenter aussi un gouvernail. Hein. Et un gouvernail. Pas souvenir de l'avoir vu en quelque part. Hein. Fermé de l'autre côté. À 8 directions avec seulement 4 réponses possibles. Marès, tu me tiens au jus hein, le jour où il faudra que je repasse de l'autre côté de la fenêtre, d'accord? Ça faisait longtemps, tiens, je me disais aussi qu'on l'avait pas vu elle. Ouh, j'ai entendu un bruit bizarre à gauche. Toujours au même endroit juste pour vérifier. Hmm.
Le mannequin n'a pas bougé, il était pas dans le lit avant. Oh, je n'ai même pas remarqué. Parce que moi je me souviens très bien d'un mannequin qui était dans un lit, oui. Putain, je sais plus où c'est déjà. Il va canner, hein. Le porc, il va canner. C'était là. Putain, t'as raison, le mannequin n'est plus dans le lit. Trop bonne suspension. Coup de pied de biche. Tu m'embêtes, c'est exactement là où je voulais aller. Allez, tu m'as vu. Non, ici, il y a toujours rien. Hein. À part le placard qui est fermé. Il y a rien d'autre. Ouais, c'est ça, je cherche pendant 30 minutes jusqu'à ce que je craque et je demande à Maryse à chaque fois. Putain, elle est toujours là où je veux aller. Passer à côté de la réponse. Oh non. Oh non. Je suis passé à côté, mais... Après, si j'ai fait tout le manoir, forcément, je suis passé à côté. Mais... Je veux de l'aide. SVP. De l'aide. À l'aide. C'est à l'étage. Ça va, c'est assez flou. Bon, après l'étage, il est maxi grand. Hein. C'est à l'étage et en plus de ça, ce n'est pas par la fenêtre. Pourquoi je peux pas lui parler à elle? On peut sauvegarder là? Ah oui, non, ça je l'avais déjà lu. Et ça, c'est quoi ça? Oh non, mais c'est pas possible. Ah putain, c'est pas possible. Je l'ai jamais vu. Dégoûté. Dégoûté. Mais c'est ouf parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir cliqué sur tout, tout le temps, partout. Et en fait, j'ai juste évité les trucs les plus importants. Et pourtant, tu m'avais bien prévenu, Maryse, de bien regarder chaque table et tout. Pour apparemment... Ne pas louper les trucs de l'histoire, contexte, le lore. Un oiseau là. Non, pas là. Pas là non plus. Pas là. Et merde, il va faire bouger. Ah oui, mais les deux doivent bouger. De toute façon. Pas là. Qu'on peut ou quoi là? Alors ça c'est bien ça. Alors putain, ils sont cons ces oiseaux. Putain, ils vont les trois au même endroit. Vous êtes des génies. Vraiment, vous êtes trop forts. Toi tu bouges pas en bas à gauche. Ok, tu vas bouger. Et merde. Ok. Allez les deux, vous allez à gauche tous les deux. Non, pas cette gauche là.
Oh là là, mais c'est catastrophique. D'accord qu'il n'y a pas vraiment de moyen de les contrôler, hein. C'est un peu hasardeux. Parce qu'il y a juste lui, il faut qu'il aille en haut à gauche et c'est bon, c'est gagné. Il va aller sur... S'il va sur notre oiseau, c'est chiant. Nice. Et moi, du coup, je dois aller là. Oh, il y a une minuscule fente. C'est ouverte et il y a quelque chose de brillant à l'intérieur. Oh, ouais. Merci. Phew. Giga phew. La fameuse clé qui ouvre au moins 3 portes si c'est pas 4. Hein. Merci les piou-piou, effectivement, oui. J'étais pas loin. Hein. Alors, c'est... Oh. Quoi? Mec, il en a marre, il en veut plus. Quoi encore? Qu'est-ce qu'elle veut? Félix, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est moi qui ne vais pas bien, n'est-ce pas? Tu as honte de moi? Pourquoi ne me traite-t-on de cette façon? Qu'est-ce que j'ai fait? Je les entends tous parler en ville. Le pauvre homme, sa femme doit être un tel fardeau. Elle est complètement folle, complètement timbrée, sans enfant, stérile, une honte. Tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? Dis-le-moi. Arrête de m'ignorer. Arrête, rien de tout cela n'est vrai, je suis là, n'est-ce pas? Ne vois-tu pas ce qu'il se passe? Tu n'es pas dans ton état normal, Félix. Tu as essayé de me tuer. Non, elle t'a tué. Plus d'une fois. Non, mensonge. Je le vois clairement dans tes yeux, de la haine. Tu prépares quelque chose. Non, s'il te plaît, pas encore cet endroit. Je préférerais encore mourir, non. Mais elle est malade. Ne me touche pas, laisse-moi tranquille. Non, alors là par contre, calme-toi parce que tu m'as pas laissé le temps. Wow, putain mais c'est dur de spammer le bouton, hein. Laisse-moi le temps, s'il te plaît. Je crois que c'était là. C'est elle? Non, c'est pas elle. Oh, ok, c'était clairement pas elle. Oh, hé. Une scie à main. La souffrance de la statue est émouvante. L'artiste a remarquablement capturé la nature d'une telle douleur. Félix. Cet endroit semble... ressemble à un jardin d'hiver. L'humidité a dû aider les plantes à rester en vie malgré la négligence de l'endroit. Ah ah ! Je vois. Je reconnais. En bas, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est là. Non, c'était pas... Ah si ! Non, il y avait une pièce... Ah ouais, c'était la pièce du requin, hein, je crois. Et je sais plus où elle est, là. Hein. Je crois qu'il y avait une pièce ici aussi qui était fermée, non? Et c'était tout ouverte, les portes, là? Ça m'étonne. Je crois qu'il y en avait une qui était fermée quelque part. Il est KO. Il en peut plus, le pauvre. Alors attention. Qu'elle soit pas juste là. Je vais sauvegarder un coup. Vu qu'on a récupéré la petite scie.
Faudrait d'ailleurs que je réfléchisse à quoi en faire, hein, de cette scie. Mais d'abord, j'aimerais aller ouvrir les autres portes. Wow, wow, calme-toi. Les autres portes, elles sont forcément là-bas. Là, je crois qu'il y en avait une là-dedans. Hein. Non, alors c'est juste au-dessus, là, à gauche. Voilà, juste à côté des escaliers. Ah, c'est là. Ok. Alors, qu'avons-nous là? On dirait des déchets de fond marin, je me demande si ça a de la valeur. Des combinaisons de plongée en métal comme celle-ci étaient souvent utilisées par le passé. Le gouvernail, la barre de gouvernail robuste d'un bateau à l'ancienne, je suppose qu'elle pourrait encore servir. Une longue vue d'apparence onéreuse entourée d'autres objets en rapport avec la mer est posée sur le meuble. Une massue, c'est pas trop mal ça. Un globe usé épinglé au mur, à côté une carte des routes commerciales maritimes. Un vieux bureau poussiéreux, rien d'intéressant ici. D'accord, c'était juste pour la massue. Je note. J'ai vu un fantôme à gauche. Oh, qu'elle me fait souffrir. Pourquoi donc ne devrais-je pas lui faire la même chose? Non, je ne dois pas avoir ces mauvaises pensées. Elle est la cause de notre honte. N'importe qui d'autre ferait la même chose que moi. C'est insupportable. Ces derniers temps, j'ai eu quelque chose à l'esprit. J'éprouve du plaisir simplement en l'imaginant. En imaginant l'agonie. Oh. Un globe terrestre et nous sommes juste ici. Oui. Ok, il manque un livre en haut. Ok, 3. Tout en bas à gauche. Pardon, tout en bas à droite, tout au milieu à gauche. Et le troisième en partant du haut à gauche. Une épouvantable décoration qui pendrait donc ça à leur mur. Ma chère Alice, je n'ai toujours pas reçu ta réponse, écris-moi s'il te plaît. J'espère ne pas me répéter, ni que je t'en demande trop. Tu es ma plus chère amie, et j'ai le sentiment que tu es la seule avec qui je peux partager ces pensées. Je dois te rencontrer en secret, j'ai maintenant vraiment peur. Je ne peux pas utiliser le bateau. Il surveille tous mes mouvements. Il doit y avoir un moyen pour que nous nous voyions. S'il te plaît, donne ta réponse au fils de Fabio. Dis-lui de mettre la lettre sous la troisième planche de la jetée. V. Une grande poupée réaliste. Ah, et là, tout est propre. Ah ah! On est revenu là. On a ouvert le passage. Et à droite, il y avait une porte aussi. Et elle est fermée. Sirocco! Sirocco? Roccoci? Bah si, du coup. Complètement, je suis désolé. Bien, on a obtenu une massue. Des pinces coupantes, surtout. Ah non, on l'a déjà utilisé. Le scie à main. Elle pourrait scier du fin bois, du bois fin. Avec un manche en bois et une tête en métal, cette massue de taille moyenne est utilisée dans le bâtiment, pas en charpenterie. Est-ce que je pourrais scier les lianes qu'il y a au début du jeu? Enfin, je veux dire à l'extérieur. Je vais avoir envie de scier tout le monde, là. Ça fait 2 heures qu'on joue? Non. 2h30. Et non, ça ne fonctionne pas. La scie pourrait péter le cadenas inutile du petit jardin à droite. J'essaye, Maryse. J'essaye. J'essaye tout. Vas-y, casse-moi tout ça. Non.
Les statues, non. Le cimetière, non. La Syrie, non. Quelque chose à scier ou alors quelque chose à frapper fort. Moi je me rappelle de quoi là? Des petites serrures, du coffre à la combinaison à 5 chiffres, des personnages, des notes de musique là à 7 notes. Mais rien qui demande à taper ou à couper. Sauf elle. Je la coupe et je lui tape dessus. Non. L'œil. Je lui coupe l'œil. Non. Ça risque d'être long. Mais tu m'étonnes qu'on va pas le faire en deux fois ce live, sinon j'aurais tout oublié, ça va être peut-être terrible. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelque chose à faire avec les livres manquants. Oh putain, mais si, j'avais quelque chose à faire avec les livres manquants, mais quel connard! Mais oui, je les ai sur moi, les livres! Ah! Oh, je suis tellement pas réveillé, c'est fou! Mais quel couillon! Moi, j'ai voulu apprendre leur emplacement vide exprès pour... Oh là là! Donc en bas à gauche le... Non, en bas à droite le jaune, en bas à gauche le vert. Oh. Ok, j'ai pas de jaune. Troisième en partant du haut. Ah merde, c'est un jaune. Il suffit juste de poser les trois livres, quelle que soit la couleur, peut-être. De toute façon, on n'a pas de jaune. Aïe, aïe, aïe. Non, il y a un ordre. Il n'y avait pas 36 000 sous le... Enfin, combinaison possible au bout d'un moment. Mais je sais pas si on pouvait le deviner forcément. J'ai obtenu une petite clé. Cool. Ah, peut-être que sur ce tableau, il y avait un dessin qui disait exactement quoi faire, peut-être. Une petite clé typiquement utilisée pour ouvrir les boîtes et autres objets. On a deux emplacements pour utiliser cette petite clé, je me rappelle. Attends, il y a une sauvegarde qui est juste au-dessus par contre. Ah non! Ah non, 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 non. Et merde.
d'aller sauvegarder et trouver l'endroit où il y a une... Oh, j'ai oublié. Une petite serrure. Et c'était un petit coffre. Merci beaucoup, Lascar. Lascar XD qui a sub en Prime pour la première fois de sa vie. Bienvenue à toi, Lascar. C'était là. Là, c'était là. Oh, ça fonctionne pas. Ah non, typique pour ouvrir des boîtes, il parle pas de porte. Ah bah, le truc c'est que je me rappelle d'un coffre avec une petite serrure, mais... Ah. Mon dieu, où est-ce qu'il était exactement? C'était pas le coffre dans la salle du requin. Toujours pas y aller là. Non. Non, il y avait un coffre dans cette salle, mais c'était pas ici. C'était un coffre qui avait... Ah, peut-être plus bas. C'était peut-être dans le... C'était dans le sous-sol, je crois, qu'il y avait un coffre comme ça. Non, c'était pas ici. C'était... Ouais. Ah, je crois que je... Non, je confonds peut-être avec le coffre à la combinaison aussi. Là. C'est peut-être ce coffre-là. Ouais, c'est complètement celui-là. Ouais, je vous rappelle, c'est bon. Ok, et dedans nous avons A, D, G, F. A, G. A, D, G, F, A, G. A, D, G, F, A, D, A, G. A, D, G, F, A, G. Oh, tu m'as fait peur. A, D, G, F, A, G. C'était où ça déjà? Non, c'est une grande salle. C'est ouf. T'as spawn devant moi. Merci beaucoup, Lava Botaku. Salut Ford, voilà 5 mois que je sub à toi avec le Prime. Tu pues. Merci toi aussi, tu pues. Et merci pour le resub, tu gères. Il faut vraiment que je la retrouve cette salle. Putain, c'était où? Putain, mais c'était où? C'était pas la salle qui faisait angle là? Non. Putain, mais elle était où cette salle? Elle était en bas, non? Elle était dans le sous-sol, je crois. Non, peut-être pas. Si. Parce que je crois qu'il y avait la clé Lipucho, je sais pas quoi là. Elle ouvrait dans le sous-sol, je me rappelle. Il y en avait une qui s'ouvrait dans le sous-sol, je crois. Je crois que c'était celle-là. Oui, c'était celle-là. Quoi ? Un bruit de l'autre côté de la pièce ? Comment ça de l'autre côté, tu veux dire là?
Attends, on était collés ? Oh mon dieu, on était juste à côté en fait. Uh-oh. Il a dit de l'autre côté de la pièce, hein. Ou alors, il a... Non, il a dit de l'autre côté de la pièce, il a pas dit dans la pièce d'à côté. Il y a quelque chose d'autre dans la pièce que j'ai pas encore vu. Il s'agirait de me laisser entrer dans la pièce en fait, madame. De l'autre côté de la pièce, tu dis. Là ! J'avais pas vu. Une pièce d'échec, cavalier blanc. Oh mon dieu. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Les pièces d'échec. Voilà. De retour au point de départ. La massue, on l'a toujours pas utilisée. Une tour noire, une tour blanche, un cavalier noir, un cavalier blanc. Oh putain. Non, c'est pas moi. C'est faux. J'étais pas là. Je n'existe pas. Je retourne sauvegarder un coup. Ah, il compte le nombre de fois où je sauvegarde. Ah, c'est drôle ça. La massue sur la roche dans les escaliers qui descendent. Non, c'est pas une pioche, c'est une massue. C'est pas fait pour péter des cailloux, c'est fait pour plutôt pour enfoncer des machins. Mais ça coûte rien d'essayer, tu as raison. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça, je peux avoir un indice, s'il te plaît. Je suis un peu trop perdu, il y a trop de salles. La scie, tu peux l'utiliser au sous-sol. Il manque toujours une combinaison de 5 chiffres. Oh putain, elle me lâche pas. Elle est proche de moi, hein. C'est-à-dire qu'il y a clairement un truc qui se passe ici. Il veut pas qu'on le trouve. Ah oui, on m'avait dit que leur coup là, il était très fin.
Une pièce d'échec, c'est un fou noir. Rien du tout. Bon, j'espère que c'est que des mannequins. Et qu'il n'y a pas des vraies personnes cachées à l'intérieur. Oui, bah c'est exactement ce que je disais. C'était une... Il n'y a pas d'autre, hein. Putain, mais j'ai encore trouvé une pièce d'échec. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Un fou noir, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Oh. Non, tout va bien. Quand j'entends des petits bruits Windows, j'ai toujours peur que ce soit un message pour me dire « Vous n'avez plus de connexion Internet. » Ah! Cadenas, il semble avoir une combinaison à 5 chiffres. C'est trop drôle qu'il me laisse pas l'essayer la combinaison. Vas-y, je vais mettre un coup de massue dessus. Ça va vite régler. Ah, c'est juste que j'étais pas bien en face, c'est pour ça. Non, pas ça. Non, le pas. BC1. Ça nous aura pas été utile au final, ça. Oh, attends, bouge, je crois entendre un bruit. À croire qu'elle est pas loin. Petit coup de marteau sur la main. On lui coupe les doigts. On les pince, non? De marteau sur Rory. Petit coup de marteau sur la petite serrure là. Il n'y a pas d'autre boîte à ouvrir avec la petite clé, on est d'accord, on a ouvert tout ce qu'il y avait à ouvrir. Hein. Marteau sur toi. J'arrive à ce moment du jeu où comme je sais plus quoi faire, bah, j'essaye tout un peu sur tous les objets. Ah, tu te rappelles ce que je dois faire, t'avais oublié. Petit coup de marteau sur la tête du bébé un peu là. Et sur celle-là, qui a l'air trop réaliste, là. Petit coup de marteau sur sa tête, elle. Sur l'œil. Coup de marteau sur l'œil. Je suis sûr qu'on l'a déjà fait. Ce jeu est pas facile du tout. Hein. Si le chat vous avez des idées, je demande pas la solution, je dis. Pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui regardent, si vous avez des idées, je veux bien les prendre. Je vous autorise, vous ne serez pas ban pour spoil, ne vous inquiétez pas. T'avais triché pour la massue? Bon, dans ce cas, tu peux me dire à quoi elle sert la massue, alors. Si toi, t'as triché, je veux tricher. Ah, c'est là où j'ai coupé des têtes!
Ah, comment ça? On pète les têtes des massues? Pardon. Ok. On pète les têtes des... Putain, mais c'était où? Mais, oh putain, c'était où déjà? Ah, vous êtes là, vous. Putain, j'ai oublié où c'était. C'est fou, je n'y arrive pas, je suis perdu dans cet endroit. J'y arrive pas du tout. C'était au sous-sol? Mais je sais plus. C'est pas celle-là. Ah non, ça c'est une porte métallique, c'est pas celle-là. C'est celle-là? Ah ouais, c'est celle-là. J'aurais pas dit, tu vois. Ah, massue. Ah non, ça fonctionne pas ici. Des membres et des têtes, c'est plein de pièces de mannequins, de poupées. Mais c'est fou, je suis perdu. Tu m'as bien dit dans cette salle. Oh, oh putain, attends, le mur là. Oh putain, le mur il est à péter. Ah mais mettez une... Oh. Ah, c'était ultra subtil. Dissolvant. Un étrange joue en bois avec un chapeau. Encore des poupées en bois et des mannequins. Une perruque et du maquillage gâché. Qu'est-ce qu'il se passait ici? Attends, parce que du dissolvant. Qu'est-ce que tu veux foutre du dissolvant? Une bouteille en verre éthique. Étiqueté dissolvant et rempli d'un liquide, une forte odeur s'en émane. Est-ce qu'il faut que je le foute dans un lavabo pour nettoyer, pour Ouais. Du dissolvant. C'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Faut juste que je retrouve le chemin, évidemment. Et ça va aller. Ah mais bonjour, vous. Un unique œil mutilé me fixe, attaché au corps d'une poupée nue, sa tête fracassée. Attends, je peux te la fracasser encore plus, hein, si tu veux. Non, ok. C'était là. C'était là. Combinaison à 10 chiffres. Je crois voir une série de chiffres sous la couche de blanc. 5 rangées et 5 peintures notables dans cette pièce. 5 rangées, 5 peintures de table dans cette pièce, je me demande si elle cache quelque chose.
Oh putain, elle est là. Oh non, pourquoi il a fallu que tu sois là? Ah, c'est juste que la porte est grande ouverte. J'ai eu très peur. Ah, merci pour le screen, Maryse. Avec le bon message en plein milieu pour les... Alors attends, moi j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. 5 rangées et 5 peintures de table dans cette pièce. Je me demande si elle cache quelque chose. 5 rangées. Je comprends pas ce qu'il a voulu dire par 5 peintures notables, il y en a beaucoup plus, je crois. 1, 2, ah non. Ah d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ah d'accord, si je considère la fille et le ballon plus ça, et ça, vu qu'on peut pas cliquer dessus, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je suis censé faire quoi en fait? Ça n'a pas de sens, par exemple. Non. On peut pas les mettre du haut vers le bas. Qui serait le plus bas entre elle et elle? Lui, je peux passer en bas. Lui aussi, je peux passer en bas. Non, non, c'est trop perché. Après, il faut dire aussi qu'il y a des visages qui regardent à gauche, d'autres qui regardent à droite, la main qui pointe à gauche, Laura qui regarde à droite. Combien qui regardent à droite? 1. On peut dire que la fille regarde à droite. 1, bon ici, 2, 3... Mais on peut pas dire s'il regarde à droite ou à gauche. Non, je vois pas. Putain, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je vois pas ce que je suis censé faire avec les peintures et avec les chiffres. En fait, ce qui...
Moi, je pense que c'est pour un autre endroit, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils me disent que s'il y a un truc à faire ici. Ils me disent dans cette pièce. Je me demande si elle cache quelque chose. Mais le truc, c'est le 5 rangées. Qu'est-ce que ça veut dire, 5 rangées? 5 peintures de table, ok, mais 5 rangées. Attends. C'est peut-être que les numéros, je les vois pas comme de la bonne façon, parce que moi je divisais deux colonnes. La colonne de 9, 5, 2 et la colonne 7, 4. Mais peut-être c'est des chiffres en mode 97, 54, 21. Et là, du coup, ça concorderait avec les 5 peintures. Mais c'est très bien, mais après, quand je prends une première peinture, par exemple. Donc là, c'est-à-dire qu'il y en a... Il y en a 3 qui regardent à droite et 2 qui regardent à gauche. Qu'est-ce que je dois chercher, les... Non, je pense pas que ce soit bien, ça. Mais j'ai... Non, si. Ils insistent bien sur le fait qu'il y ait des directions. Donc en fait, non, je recommence. On a 5 lignes. Si on prend les tableaux, chacun nous indique un chiffre, soit celui de droite, soit celui de gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Le problème c'est que... Comment je suis censé savoir quelle est la première peinture? Et quelle est la dernière en fait? Dans quel ordre on... En tout cas, il y aura 3 chiffres à prendre à droite, 2 chiffres à prendre à gauche. Non, j'ai pas gardé le dissolvant. À moins que ce soit dans l'ordre de droite à gauche et que lui ce soit le premier. Donc ça ferait 9, 4, 1, 6, 8. Est-ce que c'est ça? À votre avis? Tous ceux dans le chat qui disent c'est hyper facile, moi j'ai compris, tatata. À votre avis, c'est ça ou pas? Je répète. 9, 4, 1, 6... pardon. 9, 4, 1, 6, 0, plutôt. Si j'ai pas de bêtises. 9, 4, 1, 6, 0, ouais, j'aurais dit ça. Combinaison à 5 chiffres. On va les tester. C'était donc dans le coffre au sous-sol. Au pire, on va voir si maintenant le jeu m'autorise à tenter des combinaisons sur le coffre. Ce qui voudrait dire que c'est bien parmi ces numéros-là. Je sais toujours pas où c'était en fait. C'était au-dessus, je crois. Et c'était juste là en bas. Ah, et maintenant on m'autorise. Donc j'avais dit 9, 4, 1, 6, 0. Ah, je suis désolé, c'était pas si facile que ça. Hein. C'était même hyper compliqué. C'était pas si simple. Comment vous avez... Pourquoi il y a des gens qui ont fait « Ouais, c'est hyper simple, j'ai compris. » J'ai fait du full random. Ça me semblait tellement hasardeux de commencer de la gauche pour aller jusqu'à la droite. Ah, Sirocco. On le connaît, Sirocco.
Sirocco. Où étais-tu, Sirocco? Je ne me rappelle plus, je suis déjà perdu. Aïe. Sirocco. Peut-être là? Ouais, c'était là, je me rappelle. C'est ça. Ok, le coup des lames donc, ouais. Ouais. Des casques, rien d'autre. J'ai jamais compris à quoi servaient les cornes sur les casques. Bon, on avait Est. Attends. Une armure de guerre ordinaire tenant une épée. Il y a un bouton sur le socle. Une magnifique armure de guerre dorée. Et pourquoi il appuie pas sur le socle du coup? Ah c'est ok. Il y avait lui, il y avait lui. Il y avait sud-ouest et je crois qu'il y avait nord-ouest. Non, c'était peut-être pas ça. Il tient une hache de guerre tranchante dans sa main. Mais il la tient fermement, je n'arrive pas à l'attraper. C'était peut-être pas ça. Ou alors c'est peut-être... faut justement tous les allumer sauf eux, encore une fois. Ou alors c'est juste que je me rappelle plus très bien et que c'était pas ça exactement qu'il fallait faire. Oups. Yes, je me rappelle plus de la... Il va falloir que je retourne là-haut pour vérifier. Et ça, ça m'ouvre quoi ça? Très bien. Très bien. Bon, on n'est pas si loin que ça de l'endroit avec le plan, je crois. Bah oui, on est juste à côté. Ah bah c'est bien ce que je pensais, est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest. On dirait des lames croisées. Oh! Là, sa bouche est un petit peu tombée. D'accord, c'est bon, j'ai compris. En fait, c'est pas l'emplacement des chevaliers, mais c'est la direction de leurs épées, en fait, qui est différente à chaque fois. Et c'est celle-là qu'on doit... C'est là qu'on doit appuyer sur les boutons. Donc, on a dit est. Sud-est. Sud-ouest. Et nord-est. J'ai entendu un verrou se déclencher au milieu de la pièce. J'ai obtenu une hache. Est-ce qu'on n'irait pas couper des lianes avec une hache? Et sauvegarder aussi tant qu'on y est. Ça pourrait pas faire de mal. Ah oui, ça faisait un moment que j'avais pas sauvegardé, tiens. J'y tenais à Méliane depuis le début. Très bien. Oh, les statues. Les statues. Cet ancien vase en céramique ne semble pas à sa place avec cette peinture surréaliste sur le mur. Pareil. Donc là, il y a une porte qui mène. Ok, intéressant. Donc... Alors, voyons voir. Très bien, je vois le genre. Ouais, d'accord. Alors, laissez-moi me concentrer deux secondes. Pas de screen marine, ça, rien du tout. Donc, gauche. Pas au gauche. Gauche, pas au gauche.
Ah. Oh putain, une pièce d'échec. Mais qu'est-ce que je m'en fous des pièces d'échec, monsieur ? On n'oublie pas qu'il y a des lettres ici hein, qu'on n'a toujours pas utilisées. Une planche de Ouija de Félix. Ah d'accord. Donc je disais les pièces d'échecs, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant avec tout ça? Bonne soirée Changi, merci. Bisous, à plus. Tiens, je vais le reposer ça. Je crois pas que j'en ai besoin. Peut-être qu'il y a un autre endroit avec une porte sirocco qui est fermée à clé quelque part et je m'en rappelle pas. Mais j'ai l'impression de l'avoir vu qu'une seule fois sirocco. Ça me dit rien. Oh oh. Oh putain, elle était déterminée. Et dehors, on a tout fait, hein. Non. On n'a pas encore ouvert le petit jardin. Donc quand je serai dans le manoir, faudrait que je me démerde pour aller vers la droite. Là. Je sais pas, c'est le seul endroit qui me manque, ça, encore. J'en suis là. Après le reste on a tout fait. Et je crois que ça concorde avec la petite serrure. Il faudrait que je trouve une petite clé quelque part. Oui c'est ça hein. La petite serrure ça mène au jardin hein, complètement. Elle est fermée, la serrure est très petite. Même si je sais que ça sert à rien de donner les petites trucs d'échecs, je le fais quand même. Y a pas un truc à récupérer là-dedans avec tes pinces là, des fois, non? Ok, ok. T'as combien de pièces d'échecs? J'en ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, pile. 6. En termes de trucs de combinaison, on a tout fait. Hein. On a fait les notes de musique, on a fait le coffre à 5 chiffres. Ah oui, oui les pierres tombales et les corbeaux, on l'a fait aussi. Il faut que je trouve une petite clé quelque part. C'est la seule chose qui me manque pour avancer. Est-ce que ce serait pas le moment de repasser par la fenêtre, Maryse? Je sens que c'est le moment. Ça y est. Je le sens bien là. Je sens que j'ai nulle part autre où aller. En fait, je pensais plus à autre chose, d'un endroit que t'as pas vu sans clé. Oh oh. Tu veux dire que quelque part, il y a une porte... Oh ! Putain, sans déconner ! Elle m'a fait beaucoup trop peur. Pouah, elle m'attendait juste derrière. Vraiment trop trop peur. Et vas-y, c'est où ton endroit, Maryse, que j'ai pas vu sans clé, là, encore Vas-y, vas-y, dis-nous, on t'écoute. Hein. On veut savoir, on est curieux, nous.
Tu vas traiter un peu? Quoi? Comment ça je vais traiter? Tu veux dire quoi par là? Non, je me souviens pas qu'il y ait un truc pour les échecs, sans déconner. Il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé ça, mais... Une porte cachée dans une pièce que t'as vu beaucoup... Que t'as beaucoup vu quand même. Elle me gonfle. C'est vrai que ça, on l'a pas trop avancé encore. Un trou ovale. On n'a rien qui rentre là-dedans. Hein. Il faut trouver ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. Je sais plus si j'ai sauvegardé depuis un moment ou pas, mais je le refais dans le doute. Bah vas-y, vas-y, hein, dis-moi, hein, Maris, t'hésites pas. Tu dis, tu dis. Je vais être amené à refaire toutes les pièces une par une. À l'étage à droite. Ah mais à l'étage droite. À la fenêtre. Ici. Il y a une porte cachée ici. Pas te mettre un petit coup des fois là. C'est quand même pas la salle où j'étais à l'instant. Hein. C'est vrai que celle-là je l'ai vue souvent. On peut toujours pas le péter ça. Même avec la hache, je peux pas le péter. D'objets pour ouvrir la porte. Impossible de l'ouvrir. Non mais c'est de l'autre côté de la fenêtre, c'est ça? C'est ça, Maryse? C'est là-bas à droite. Tu m'as dit à l'étage à droite, donc c'est là-bas à droite, non? Non, ça peut être aussi à l'étage vers ici. Hein. Genre cette pièce-là. La pièce de la sauvegarde. Oh, on dirait que le meuble a été bougé, non? On aurait dit qu'on pouvait le déplacer. Non, elle a dit que j'avais pas besoin d'objets. J'ai pas récupéré un livre pour essayer d'activer un mécanisme là. Peut-être. Déplace-le. Ah, peut-être qu'il faut que je... Des griffures horizontales sur le mur. Ah putain, il fallait d'abord lire des griffures. Oh, c'est si con. Je l'aurais jamais trouvé. Et ça, t'as trouvé ça toute seule? Ouais, putain, on joue pas au même jeu. Ah bah ça, c'est comment on joue aux échecs. La tour comme ça, sans diagonale, ouais, ok. Oh! Oula. Tiens, 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 il y a des trous carrés sur le plateau. Genre, je sais pas s'il faut les mettre dans un ordre précis.
J'imagine qu'il fallait faire en sorte qu'elle ne se bouffe pas. Je vais les mettre de manière aléatoire déjà. Voir si ça... Je pense qu'il y a un ordre bien précis. Hein. Ouais. Attends, il a dit quoi ? Il y a une inscription sur l'image disant « Tout en sécurité ». Ok, donc aucune ne doit bouffer aucune. D'accord. Donc déjà les chevaux, je vais les mettre au milieu. Ah ben voilà. Tout simplement, si tu mets les chevaux au milieu, ils peuvent attaquer personne. Puisqu'ils n'ont pas cette distance et ils bloquent les deux autres. Ils ont obtenu la grande clé. Est-ce que la grande clé est capable d'ouvrir une petite serrure ? Et d'ouvrir une espèce de mécanisme. Oh, je me souviens d'une mécanisme... au sous-sol, là. Un truc comme ça, là. Plutôt partir à gauche. Le sous-sol est plus accessible à gauche qu'à droite. Au sous-sol... Oui, non, c'est ça, au sous-sol, oui. Il y avait une espèce de roue, à un moment donné, je me rappelle. Non, ça c'est la salle de jeu, et c'était dans une porte qui menait vers le haut. Logiquement ça serait là. Non, c'est pas là. C'est peut-être pas au sous-sol ce que j'ai rêvé. Je me souviens d'un truc où il y avait dit on pouvait y insérer quelque chose. Ah merde, on revient là. Bon attends, déjà on va vérifier au moins une fois si ça marche pas dans la petite serrure. Pour la blague. Non, ça ne fonctionne pas, ok. Ben alors cet endroit, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je me souviens, un espèce de petit carré gris là, avec un trou au milieu, il disait, je t'ai dit, on pourra mettre un truc plus tard là-dedans. C'est pour faire marcher une machine, mais je suis quasi sûr que c'était au sous-sol. Et on se demandait à quoi servait cette machine, merde. À quoi servait la machine, tatata. Normalement c'est vers là, hein. Ah oui, c'est la porte à gauche. Puisqu'elle est métallisée. C'est celle-ci. C'était ça, non ? Ah non, merde, c'était pas ça. Je confonds avec un autre endroit, peut-être. C'est pas l'endroit auquel je pensais du tout. Je visualisais pas ça comme ça, non, non. Donc ça doit être encore un autre endroit que j'ai oublié. Et c'était peut-être pas au sous-sol en plus. Ça ressemblait un peu à ce qu'il y avait dans la cabane en bois qui permet de couper le bois, tu sais. Ça, c'est la salle de jeu. Ça c'est les salles de bain. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 c'était avant tout ça. C'était avant tout ça. Avant qu'on ait cette clé-là. Non, c'était pas là, c'était encore... non, non, c'était... Je sais plus où c'est. Ah putain, on a fait le tour.
Donc c'est une porte qu'on a ouverte avec une clé spécifique. Non, c'est pas ça non plus. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas revu cet endroit en fait, c'est ça qui m'inquiète. Ça fait vraiment longtemps, c'est peut-être une des premières pièces du début du jeu peut-être. Ou alors c'est de l'autre côté de la fenêtre. Au tout début du jeu là, les premières portes. Non, il y a encore que celle-là, c'est ça fait pas partie des premières. C'est genre mais non, mais celle-là. Mais non. Je crois que je l'ai vu de l'autre côté de la fenêtre si je me rappelle bien. Marie, tu confirmes? Tu confirmes une fois? Tu confirmes deux fois? Je crois que c'est de l'autre côté de la fenêtre. Putain, c'est bien ce que je pensais. Il était temps qu'on y retourne. Allez. Donc, ça fait bien longtemps que je t'ai pas venu vous faire coucou, vous. Oh putain, il y a une baignoire ici qu'on aurait pu remplir avec le seau, tiens. Et c'est pas ici ce que je cherche, hein. C'est dans l'autre pièce. C'est ça! Waouh! Devrais-je monter à l'échelle? Oh putain, s'il y a... Si on meurt, je suis deg. Mais je n'ai... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Toutes ces sculptures dans la maison doivent être des souvenirs de voyage. Il n'y a rien ici. Non, il n'y a rien ici non plus. Ils ont dû faire rentrer les meubles par la fenêtre ou peut-être qu'ils les ont montés dans la pièce. Des têtes, des poupées, des pièces de rechange, des masques et des perruques, tout est vieux et pourri. Rien de valeur. Rien de valeur. Ah mais tiens, oh! Félice, d'où viens-tu comme ça? Peu importe, regarde ce miroir. Je pense que c'est la clé pour résoudre ce mystère. Je vais enfin pouvoir t'aider. Oh putain, elle est rouge. Ne me montre pas ça! Hein? Arrête, je ne veux pas ressembler à ça. Laisse-moi sortir! Oh putain, Kong, elle est tombée. On repart. On repart. Oh là, mais il y a beaucoup, beaucoup de vent. Donc, on descend. Peut-être allumer la lumière. Voilà. Je peux déposer le miroir, j'en suis conscient. Je vais d'abord sauvegarder un petit coup. Vérifie si elle est à l'extérieur, là. Notre pote, là. Du coup, c'était vers derrière la maison, hein, j'imagine. Attends, non, c'était à droite. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas à gauche, c'est à droite.
Évidemment, elle est dans l'endroit inaccessible. Et je pense que c'est le miroir qui va nous donner la petite clé. Ah oui, pardon, c'est ma sœur, c'est pas une pote, pardon. Oui, j'oublie vite ce genre de détails, oups. Donc. Oh. Ce n'est pas fini, donc. Fermé, toujours fermé. La serrure ne ressemble à rien que j'ai observé dans cette maison jusqu'à présent. Ok, on pète tout à la massue, on utilise toutes les clés qu'on a. Non. Une plus grande porte. Oh. Oh, bonjour vous. Mon Dieu. Vous devez être. Pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça, ma sœur ? Répondez-moi, dites-moi quelque chose. Félix. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas ma faute. Tu es ma seule famille, comment ai-je pu? Non, Félix, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je savais que tu étais spécial, mais j'ai essayé de le cacher pour te protéger. Oh non, j'ai misérablement échoué. Félix, je suis désolé. Oh. Ah. Et donc on revient au début du jeu. Mais donc on n'aura jamais trouvé la clé pour aller dans le jardin. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ? Cela fait beaucoup à assimiler. Eh bien, je vous ai tout dit, tout ce qui s'est passé. Alors, assimilez. Je vois. Je vous dis la vérité. Je suis sûr que c'est comme ça que vous voyez les choses, mais vous devez comprendre que votre histoire est assez improbable. Oui, inspecteur, je comprends. Moi-même, je ne sais plus ce qui est réel, même après ce qui s'est passé. Voici les faits, monsieur Fawcett. Il n'y a aucune place pour l'interprétation ou le doute. Votre sœur Félix Fawcett a été retrouvée morte. Elle a subi un coup sévère à la tête. Peut-être qu'elle est tombée par la fenêtre, comme vous l'avez dit, ou peut-être pas. Après tout, on aurait pu la pousser. Vous êtes le seul témoin d'un incident s'étant déroulé dans un endroit abandonné dans lequel vous et vos amis vous êtes rendus en utilisant votre propre bateau. Et en ce qui concerne le reste de vos amis, s'il vous plaît, cela suffit, inspecteur, je ne... Soyez prêts, dans une heure, nous allons vous transférer à l'hôpital pénitentiaire dans l'attente de votre procès. Je vous assure, monsieur Fawcett, tout cela est très vrai. Il y a des répercussions à chacune de nos actions, jeune homme. J'espère que vous êtes prêt à les affronter. Triste fin. Triste fin parce que du coup on n'aura jamais eu accès à la porte avec la petite serrure et au jardin du coup. Maryse, j'ai fini le jeu en 3h36. Est-ce que j'ai pas giga speedrunné du coup? Bon, en fait, laisse tomber ce que je viens de dire parce que ça compte pas du tout étant donné que tu m'as aidé à 1 milliard de reprises. En fait, j'ai juste triché un quart du temps. Donc ouais. Et c'est Daniel et Alberto qui ont fait le jeu. C'est... Ah non, il y a d'autres gens. Ah non, il y a juste une personne qui a fait la musique. Après, c'était genre deux frères qui ont fait le jeu ensemble.
En fait, ils ont été trois à faire le jeu. Non, je quitte pas, bien sûr. Ah, il y a une quatrième personne qui a participé au jeu. Il y a des voix ? Ah oui, les voix de jumpscare et tout ça. Donc 5 personnes ont participé au jeu. Tenant à remercier tout particulièrement nos familles, nos amis et vous. Vous voyez comme quoi, 5 personnes, dont juste 2 pour faire des voix, et à seulement 3, dont une personne pour faire la musique, et vous pouvez faire un jeu vidéo et il est publié sur Switch. Et vous, 5€ sur Switch, 10€ sur Steam, et vous faites des petits sous. Hein. Franchement, il suffit juste d'être motivé, de savoir coder, d'avoir de bonnes idées, et vous vous régalez. Alors, résultat, la fin, très mauvais. Le temps, 3h07, difficulté normale. Alors, qu'est-ce que changeait la difficulté, le fait qu'elle te suit partout, l'autre peut-être ? Je suis mort 5 fois, et des documents, j'ai trouvé à peine la moitié. Ok. Et c'est fini ! Ah, en facile, elle te tue pas, ok. Et c'est fini, du coup. Ah, succès. Remporter l'aventure en mode difficile. Quoi, tu veux que je refasse le jeu en mode difficile? Remporter l'aventure en moins d'une heure? Oh, c'est un défi de speedrunner, ça. Remporter l'aventure sans mourir une seule fois. Donc ça peut se faire en une heure, donc tu peux le faire les deux en même temps. Obtenez bon comme résultat en fin de partie. Donc ça, j'imagine qu'il faut tout trouver. Tous les documents, pas mourir une seule fois, tout ça. Trouver et liser tous les documents. Et là, Maryse ou Morgane, là, vous êtes amusés à recommencer le jeu deux... Enfin, plutôt trois fois, du coup, pour avoir tous les succès. Du coup, Maryse, tu m'as dit d'attendre. Il y avait autre chose à voir ou non, c'est bon. J'ai eu la très mauvaise fin. Non, c'est bon, ok. Donc, on confirme bien qu'on ne peut pas avoir accès au jardin, alors, hein. On n'a pas la clé et on peut pas ouvrir par l'extérieur. Hein. À la limite, il faudrait sauter et atterrir sur le cadavre de notre sœur, du coup. Pour amortir la chute. Pourquoi pas. Bon bah écoutez, mesdames et messieurs, c'était Viviette. C'est terminé. L'extérieur, il faut avoir la bonne fin. Donc refaire le jeu et trouver tous les documents, ne pas mourir. Waouh, ok. Eh ben, ce sera pas pour ce soir. Ce sera peut-être même pour jamais, du coup. Parce que le jeu... est terminé. Oh, j'aime bien maintenant le fanart, du coup. Je vois les personnages en mode dessin, comme ça, c'est beaucoup plus stylé. Cool. C'était cool. Sinon, t'as tué ta sœur et tes potes, tranché. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on a tués. Quelqu'un dans le rondin de bois à la Syrie. Et l'autre personne qu'on a tué, c'était en sciant la tête d'un mannequin, on a tué quelqu'un. Oups, ça reste entre nous. C'est vrai, donc du coup on aurait une meilleure note si on n'avait pas tué ces personnes. Mais en fait t'es obligé de connaître le jeu par cœur pour avoir une bonne note. Déjà si tu veux faire le jeu en moins d'une heure, tout ça, t'es obligé d'avoir fait le jeu une, deux, trois fois. Ah, ça donne envie d'essayer quand même, juste pour avoir les succès au final, tu vois. J'ai tué quelqu'un en faisant tomber le tonneau dans le sous-sol. C'est vrai. Ah ouais, regarde, on a tué quelqu'un comme ça. Je m'en suis même pas rendu compte. Ah bah mince alors. Ah mais en fait c'était mes amis. Ah mais c'était mes amis. Le mec dans le rondin, le mec dans le pantin, tout ça, c'était mes copains. Ah mais j'avais pas compris. Ah mais j'avais pas compris. Je croyais que c'était... J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Ah mais j'ai tué tous mes potes. Ah ouais. Ah non, sans le savoir, c'est impossible que tu puisses le savoir. Enfin, que tu puisses avoir la bonne fin, puisque... Typiquement, les pantins, t'as envie de tous les découper pour voir s'il n'y a pas d'autres objets. Le rondin de bois aussi. Tu te dis, bah, forcément, tu... Enfin, non. Je sais pas. Et j'ai loupé toute l'histoire de Viviette, comme j'ai pas lu beaucoup de papiers. Ouais. Tant pis. Elle avait qu'à mieux classer ses documents. Voilà. Et laisser les portes ouvertes. Bon. Eh bien, écoutez, mes amis, messieurs, c'est la fin de ce live, du coup. Parfait, pile à l'heure. Minuit, j'avais dit qu'on en aurait jusqu'à 1h du matin, ça s'est plutôt bien passé. Donc du coup, donc rendez-vous demain à 20h pour faire les deux derniers chapitres de Life is Strange, du coup, chapitre 4, chapitre 5, et nous terminerons aussi en même temps ce jeu-là. YouTube, comme tu peux le voir en bas à droite du chat, il y a déjà des gens
qui te souhaite le au revoir et bon, la bonne nuit, du coup, plutôt la bonne journée. YouTube, hein, je te fais des bisous, hein, et je te dis à la prochaine sur YouTube pour de prochaines rediffs de live.